Ensuite, toi, pour le téléphone, Bonnie, il faut que tu me fasses. Oh, je pense pas que ce soit réseau. Savoir-faire. Connaître. Je dois les choisir entre les deux. Savoir faire ou connaître Ouais. savoir faire là et connaître. Je vais prendre connaître alors. Donc, je fais aussi une difficulté de 3. Hein. Ok. Moi je vais échouer, c'est sûr. Bah non, Et non. non, Oh! reste positive. Incroyable. Ouais, le 6 Tu vois? Je explosif, croyais pas en ma ouais, le chance. 6 explosif, c'est quand même chose intéressante. Du coup, tu connais quelqu'un. Tu connais quelqu'un qui pourrait te renseigner sur le district du Nevada. Donc, tu Ok. l'appelles. Allô? Oui, excuse-moi de te déranger, je sais qu'il est tard, mais je me demandais si tu n'avais pas Ah, Bonnie. quelques infos Salut. Tu à sais que me... ce gars travaille dans une sorte de caserne un peu médico-légale. Enfin, il s'occupe un peu de tout ça au niveau du Texas, de Las Vegas, quoi. Ok. Je me demandais si t'avais pas quelques infos à me fournir, tu sais, avec à propos de toute cette affaire sur la victime Jason et tout ce qui s'est passé à Silent Peaks. Ouais, on est en pleine analyse, mais qu'est-ce que je peux te dire de plus? On n'a pas trouvé grand-chose. Tu voudrais savoir quoi, en fait? Parce que. Il travaillait quoi précisément? Il t'avait dit qu'il faisait... Il est dans tout ce qui est analyse, tu vois, justement, Ouais. médico-légal, de choses, c'est un peu lui. Du coup, il est un peu placé aux premières portes par rapport à cette affaire, quoi. Il s'occupe un peu de tout ça. Du coup, écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des traces de morsures humaines sur les bêtes, hein. Il y a eu clairement des dégâts. Il y a on a retrouvé de l'ADN de Jason sur les bêtes aussi. Il y a pas mal de traces vertes aussi qu'on a pu. Et ces traces vertes, tu sais pas d'où elles viennent. On a essayé d'analyser tout ça. Je t'avoue que c'est assez mystérieux pour l'instant. C'est toujours en cours. On n'a pas vraiment trouvé. Ouais, on a. C'est vraiment d'origine inconnue en fait. D'accord, ok. Ouais, si jamais tu trouves autre chose, n'hésite pas à me rappeler. Je suis là, je suis à disposition. Ok, Bonnie, écoute, je vais voir, mais après, évite de dire mon nom et tout ça. Je suis pas censé Oui, te bien dire tout ça, sûr, quoi. mais tu sais comment on fonctionne. De toute façon, là, l'affaire en cours, de notre côté, c'est juste pour les âmes curieuses. On va pas Ouais, je aller dans comprends les bien. coulisses, citer nos sources. Bah, si j'ai d'autres Donc, infos, je te rappelle à ce numéro. ok, pas de problème. Allez, bon bah Merci. bonne nuit. Heureusement que j'étais debout, hein, m'appeler vers 1 h du matin quand même, c'est. T'es un bon gars. Ouais, c'est ça, oui. Bon allez, salut Bonnie. Elle dit ça à tout Salut. le monde. Vous êtes quelqu'un de bien. C'est Ouais, une c'est bonne ça. personne. Du coup, vous rassemblez un peu dans vos chambres d'hôtel. Que faites-vous? Bah, de toute façon, ça va être la nuit, hein. Je pense que les filles ont besoin de se reposer, moi. Ouais, il est déjà tard. Moi, je vais commencer à dérusher, tu vois. Moi, je fais une insomnie. C'est Et je regarde pas les bébés harlequins à la télé. vrai? Attention, hein, il y a des conséquences. Non, non, je regarde pas les bébés harlequins. Je me transforme. Je vais t'enlever un point de ressource. Je lui fais Ah pour le premier scénario. non. Du coup, bah Au moins, de vous. mon côté, Ouais, je relis mes notes et puis je m'endors. Ouais, bon, bah C'est une soirée normale. vous sentez que votre fièvre descend, diminue, et le lendemain matin, vous avez un peu oublié cette fièvre, hein, qui vous a pris à toutes les deux, à Bonnie et Meredith. Vous prenez un bon petit déj, il est déjà 8 h du matin, et vous remontez dans votre van et pour décider un peu de la suite de votre enquête. Bon, j'ai laissé un peu les voitures
les enlever d'ailleurs. Bon, alors est-ce qu'on commence par la petite copine ou alors est-ce qu'on va voir les parents? Est-ce qu'on essaie d'aller chez lui? Qu'est-ce que vous pensez? Je serais d'avis de commencer par cette certaine Leslie. Je suis très curieuse à son sujet, j'ai envie de savoir. Il y a qui on l'a perdue depuis un certain temps. Donc, en plus, ouais, il y a ce côté où elle a disparu. Donc pour voir pourquoi pas commencer par là. Très bien. Nous allons donc sur les traces de Leslie Bynes. Bynes. Ouais, Bynes. V comme le vin avec ES. Ouais. Du coup, 57 comme Roosevelt Avenue. Vous sortez plus ou moins de Silent Peaks et vous arrivez à l'adresse indiquée que vous a donné donc Samantha Washington, la manager du Star Club. C'est un immeuble sur 3 étages dans un joli lotissement résidentiel. Bon, je vais vous transférer. Hop. Elle est où ? Et vous êtes en bas de l'immeuble, vous commencez à regarder un peu la porte avec les affiches et tout ça. Vous voyez qu'elle est clairement au troisième étage, au dernier étage. Et vous grimpez, vous avez votre caméra. Moi, je vais l'appeler quand même au moment où on se gare. Voir si elle répond, regarder en même temps si on sait où est-ce qu'elle est, tu vois. Prendre le temps de regarder si la fenêtre ça bouge, si tu vois. En fait, t'appelles et c'est de suite répondeur. D'accord, ok. Bon bah écoutez. Mais les volets ils sont tirés de dehors, il y a des rideaux. Non, ça a l'air d'être ouvert, vous voyez à l'intérieur plus ou moins de là où vous êtes, c'est quand même au troisième étage, mais vous voyez que y a pas de rideaux, il n'y a pas de volets, il y a la vitre qui. Il y a le soleil qui tape sur la vitre en fait. D'accord. Du coup, vous montez, j'imagine. Ouais. Oui. Vous êtes devant la porte de cette Leslie Vines et vous constatez que l'entrée de son appartement a été forcée. La porte est rabattue, mais est toujours ouverte. Et il n'y a pas de. Il y a quelqu'un qui a une longueur d'avance sur nous. Il n'y a pas de ruban de la police ou un truc comme ça. Non, non. Ok. Du coup je pousse doucement la porte, mais en essayant de pas faire de bruit au cas où la personne est toujours dedans. Tu ouvres tout doucement la porte, tu jettes un œil à droite à gauche, vous pénétrez dans son logement et vous découvrez une décoration moderne, hein, mais relativement classique, style catalogue Ikea, on va dire. Hein. Il n'y a pas vraiment de touche personnelle. Au sol, vous voyez quelques traces de moisissures. Vertes. Vertes. Ah, moi, je fais des gros plans, là. Puis, d'un coup, vous ressentez comme une respiration, une présence dans l'appartement. Puis, une jeune femme en furie surgit d'un placard. Et elle sort comme ça, elle a un t-shirt, juste un t-shirt sur elle et une culotte. Et puis elle semble complètement effrayée et puis elle te saute dessus à toi, Bonnie. Elle te prend par les poignets. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est... Non, on va pas faire d'attaque en fait. Elle te plaque au sol, du coup... Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, elle te saute dessus comme une furie. Ouais. Vous reconnaissez la fille sur la photo, quoi. Elle avait l'air normale. C'est une petite fille. Non, elle c'est quand même une. Elle doit avoir 24 ans, quoi. Ah oui, ok, oui. Et je croyais qu'elle était mineure. Du coup, elle te saute dessus, donc il va falloir que tu me fasses un test pour la maîtriser. Alors, je vais te dire. Si on vient l'aider, elle a un avantage. Sur le coup, Meredith. Toi, Meredith, oui, Charlie, t'es en train de filmer, comme tu m'as dit. À la limite, mais déjà, ça a été tellement rapide, quoi, qu'il va falloir que tu me fasses un jet de se battre pour la maîtriser, Bonnie. Ok. Combien de difficultés?
Alors, difficulté 3. On reste sur le 3. Ah, tu vois, elle te saute dessus, en fait, tu la maintiens au poignet comme ça, tu fais mine de tomber, et elle est comme une furie, et tu sens ses mains qui tremblent, elle est complètement paniquée, elle sanglote à grosses gouttes, elle fait vraiment une crise de panique. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais allez-vous-en, vous êtes chez moi, vous avez rien à faire ici! Sortez d'ici! Oh, madame, calmez-vous, deux minutes! C'était grand ouvert, on est juste rentré pour vérifier que tout allait bien. Non, tout ne va pas bien, tout ne va pas bien, non, non. Sortez de là. Elle est vraiment en pleine crise de nerfs. Ok, moi je vais poser ma caméra et je vais me mettre devant elle en levant un peu les mains en disant attends, Leslie, tout va bien, d'accord, on n'est pas venu te faire de mal. Non. Si tu veux qu'on sorte, on peut sortir. Regarde-moi, tu as besoin d'aide, d'accord. Tu n'es pas dans ton état normal, tu n'as pas l'air bien. Alors, nous sommes là pour t'aider. Fais-moi un jet de... On dirait de l'hypnose. Alors... D'hypnose. Alors, je vais faire un truc un peu bâtard, mais en fait, normalement, j'ai sang-froid. Ouais. En utilisant un point de ressource, Zoé est capable d'apaiser la situation Très et bien. Restera toujours calme. Ouais. Et du coup, je veux utiliser ça. Très bien. Parfait. Donc, je nique un point de ressource. Et t'as pas besoin de jet, du coup. Par contre, tu pourras plus l'utiliser. Tu pourras l'utiliser, mais il faudra que tu jettes des dés cette fois-ci. Oui. Voilà. Ouais. Voilà. Tout va bien, Leslie, d'accord? Asseyez-vous. Calmez-vous. Prenez votre souffle. Excusez-moi. Je pensais que c'était cet homme. J'ai perdu mon Jason, vous savez. C'est pour ça. J'ai cru qu'il était revenu. Que Jason était revenu? Non, il y a un homme là, qui me suit là depuis... Il a fracturé ma porte. Je me suis caché. Laissez-moi deviner, la quarantaine, plutôt grand, brun, des yeux perçants, rasé de près, ouais, chaussures de chantier. Vous le connaissez? Non, mais il est venu voir votre patronne. Mais écoutez, je l'ai vu en effet à travers la porte. Voilà. Bon. Vous avez pas son nom par hasard? Non, j'avais jamais vu ce gars-là. C'est lui qui a fracturé votre porte? Et ben sur le coup, ça avait sonné, et quand j'ai regardé, j'ai vu ce gars-là, et franchement, il m'inspirait pas vraiment confiance. Alors du coup, j'ai pas ouvert, et il a cassé la porte, et du coup, je me suis réfugié dans un placard pour pas qu'il me voie, et il a fouillé ici, comme s'il cherchait quelque chose, et après, il est parti. Mais, et c'était quand? Mais là, il y a pas longtemps, là, ça arrivait là. Ah, juste là, mais oui. D'accord. Et pourquoi vous avez disparu? Votre patronne nous a signalé que vous étiez plus là. Bah, vous n'êtes pas retourné au travail depuis quelque temps. Quand vous perdez votre petite amie, imaginez dans quel état vous êtes. Vous avez vu, ils en parlent tout le temps à la télé. Oui, bien oui. Je pète un plomb. Mais tout va bien. Tout va bien, là, vous êtes en sécurité. Vous êtes... Vous êtes avec nous, vous risquez rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces taches là sur le sol? Vous avez eu un souci? Quelle tache? Les taches vertes là. J'en sais rien, c'est on dirait du moisi. Peut-être qu'elle venait du dessous des chaussures de ce dingue là qui a fracturé ma porte. Faut que j'appelle la police de suite. Je peux pas rester comme ça. Attendez avant de faire ça. Et vous savez ce qu'il cherchait? Vous avez une idée de ce que ça peut être? Je pense qu'il me cherchait moi. Est-ce que vous avez vu quel type de véhicule il conduisait par hasard? Bon, j'imagine que vous n'êtes pas attardé non plus, mais... Non, j'ai pas... Je me suis caché, j'ai attendu... Je suis tellement stressé en plus en ce moment, tout ce qui m'arrive, j'ai pas besoin de ça. Ouais, bah oui, c'est dur, hein. C'est les moments les plus compliqués. Je suis désolée de devoir vous rappeler ce genre de choses, mais concernant votre petite amie, est-ce que avant son décès, il était comment dire, il se comportait de manière bizarre comparé à d'habitude, peut-être? Oh mon Jason, la dernière fois que je l'ai vu, c'était avant qu'il se rende chez sa famille pour son anniversaire.
Vous savez, ça fait 2 ans hein, que j'étais avec Jason et j'ai jamais vu ses parents. Ah oui? Non, je crois que Jason m'avait parlé qu'ils avaient eu des mots à ce sujet. Ils habitent à l'extérieur de Silent Peaks, je crois que ce sont des fermiers ou quelque chose comme ça. Ah. Mais vous l'avez pas vu le jour de son anniversaire? Non, non. Il a pour coutume de passer son anniversaire avec ses parents chaque année. Vous n'aviez pas rendez-vous pourtant? Ah non, je n'avais pas rendez-vous avec Jason, non? Pourquoi vous me dites ça? Mais vous êtes qui en fait, vous? Parce que je vous parle, mais pourquoi vous avez une caméra? Vous n'êtes pas filmé, vous inquiétez pas. Ouais, mais vous rentrez quand même chez moi et vous voyez qu'elle commence à changer vraiment de ton en fait. Elle commence à se poser vraiment des questions sur votre présence chez elle. Je sais que je suis un peu frappadingue en ce moment, que je perds un peu la notion de la réalité, mais qu'est-ce que vous foutez chez moi avec une caméra? Eh bien, c'est très simple, nous faisions un reportage sur ce qu'il s'est passé avec votre petite amie. On va pas vous mentir, hein. Et nous voulions nous assurer, en fait, après que votre patronne nous ait dit que vous ne veniez pas depuis un moment, on espérait d'abord en partie commencer par vous parler, et ensuite on s'est inquiété en se demandant s'il ne vous était pas arrivé malheur, ou si... Ben voilà, mais comme ma collègue l'a dit, vous n'êtes pas filmé. Ceci est un mensonge honteux. Vous ne risquez rien du tout. Si vous ne voulez pas nous parler, nous pouvons partir. Il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour vous causer d'ennuis. D'accord? Je sais pas, je suis désolé, je suis complètement paumé. Depuis la mort de mon Non. Jason, je suis complètement confuse. Je pense que ça serait bien que vous restiez pas seul. La porte est fracturée. Vous venez de vivre quelque chose de difficile. Vous avez peut-être une amie chez qui vous pouvez aller? Ouais, peut-être. Je vous remercie de vous soucier de moi, mais bon, je vais aller voir la police déjà rapidement. Puis je vais faire ma valise et me rendre chez ma mère. Je peux vraiment pas rester ici plus longtemps avec ce dingue qui tourne autour de moi. C'est trop dangereux. J'ai une question à propos de ce dingue. Est-ce qu'il ressemblait, est-ce qu'il aurait... Est-ce que vous pourriez dire par exemple qu'il avait un air de famille avec Jason ou pas? Tu vois, elle réfléchit. Je sais pas, oui, peut-être, j'en sais rien. Ouais, c'est Vous l'avez probable. peut-être pas bien vu, remarque, je vous pose cette question. Ouais, non, j'ai pas trop d'informations. J'ai jamais vu en plus la moindre famille de Jason, donc du coup, c'est un peu difficile à voir. Oui, non, puis vous étiez paniqué, il n'y a pas de souci, c'était une question comme ça. Vous venez d'ici, Leslie? De Silent Peaks. Non, je suis de New York à la base et ça... Mais bon, ça fait un moment que je vis ici. J'avais commencé à faire une saison ici, et ça m'a plu et voilà, j'ai trouvé un boulot à l'année. Ma petite vie allait bien, mais du coup, je vais pas rester là. Il y a trop de... Tu vois, elle tremble encore. Écoutez, Leslie, ce que je vais vous demander, vous avez total fait le droit de refuser, mais est-ce que par hasard vous auriez un double des clés de chez Jason? Oui, bien sûr. Ouais, elle va dans un placard, elle prend des clés qu'elle t'amène. Tenez, elles ne me servent plus à rien. Merci. C'est une très bonne personne, Leslie. Si vous le dites, je sais pas. En tout cas, merci d'être Sachez venu. que tout ce que vous nous dites nous aidera à résoudre ce qui s'est passé. Si ça peut vous aider, on verra. Tenez, on vous laisse nos cartes au cas où, si jamais il y a un problème, vous n'hésitez pas à nous appeler. Ok, on fait comme ça. Excusez-moi d'avoir un peu pété un plomb. C'est tout à fait normal. Désolé. On peut vous comprendre. Du coup, elle vous ramène un peu à la porte Ouais. d'entrée et vous ressortez de l'immeuble et
En fait, en regardant un peu, machinalement comme ça, vous remarquez un homme qui répond curieusement à les descriptions de Leslie et de sa manager. Il est dans la rue en train de fumer une clope et vous voyez qu'il, je filme. Qu'il est en train de jeter des regards au niveau de l'appartement. Plaquage. Je veux filmer cette action. C'est en train de filmer. Ok. Il regarde dans notre direction ou pas ? Pour l'instant, il regarde en haut, mais vous allez toutes me faire un jet de discrétion. Oh, ah bon ? De discrétion ? Je sais pas si ça existe, discrétion. On a l'air très espèce. Je suis en train de regarder. Non mais c'est... Ouais. En fait, c'est pas bonjour ça, c'est dragons. Que... Si je me dis, on a peut-être pas à être discrète, en fait. Avec une caméra, en fait. C'est peut-être la caméra qui fait que le fait que tu le filmes. Mm. Du coup, il y a que toi qui va le... Si tu soupçonnes un truc, je fonce et je le plaque. Ouais, de toute façon, j'ai confiance en toi, Bonnie. Je crois que c'est savoir-faire. Ça, c'est vrai que dans savoir-faire, c'est pas con d'avoir un truc genre planquer sa caméra quand t'es... Dans sa non, mais c'est pas ça, mais tu sais, quand t'es journaliste d'investigation, tu dois savoir c'est faire vrai, ça, ouais. Quoi. Ouais, ouais, c'est un truc. Mais c'est pas savoir-faire. Discrétion, c'est se contrôler. Se contrôler, ok. Donc je te laisse faire juste toi qui as la caméra de le faire, vu que les autres n'ont pas vraiment... Ça peut être des personnes lambda qui sont... difficulté 2. Et ben c'est bon, tout pile. Donc je vous ai pas rajouté de points de ressources pour vos jets, normalement vous auriez dû, parce que vous êtes au fond, à fond, hein. Je vous en ai pas enlevé encore. Du coup tu filmes, c'est tu vois qu'il détourne un peu un regard vers toi, mais il continue à regarder, il prête pas attention à vous. Que faites-vous? Moi je sais pas, je m'adresse aux deux autres et je leur dis qu'on va peut-être pas laisser Leslie toute seule avec ce gars là en bas. Bah ça serait... J'allais prendre en voiture. Vous proposez de l'emmener au commissariat. Mais d'accord, oui, allez-y. On va le... Et sinon, on peut essayer la technique franche où on lui fait un signe et on va lui parler. Hein. C'est vrai qu'on peut se comporter comme des humains normaux, oui. Voilà, je veux dire, on n'est pas obligé de... Moi, je pense que je tenterai bien ça et au pire, on essaie de le choper. Quoi. Et en fait, après, quand... ce gars-là, il est quand même, il a quand même fracturé la porte d'un appartement. C'est... Mais ça on n'est pas censé le savoir. Non, c'est vrai, mais il faut rester sur nos gardes quand même. Oui. On est trois. Il y a peu de chances que. Trois que ça se passe en mal. Pleine journée. Ouais. Allez. Moi je dis, on essaie de descendre et d'aller lui parler. Oh putain, il fait peur. Ok, demi-tour. Demi-tour. Allez, demi-tour. On s'en va. On passe à côté comme si de rien. Et en fait, en vous approchant de lui, vous entendez un cri. C'est lui là, regardez! C'est lui! C'est lui, c'est ce gars-là! Et vous voyez Leslie à travers son appart sur sa terrasse qui monte le gars et qui la regarde et qui vous regarde et qui jette sa clope et qui commence à partir en courant. Que faites-vous? Cours! Mon perso, je fonce, je lui cours après. Très bien. Vas-y, moi je cours aussi. Ouais, bah, du coup, je suis. Vous pourrez toutes les trois derrière lui? Regagner le van. Un peu à contre-cœur parce qu'elle aime pas trop courir et l'effort physique, mais elle suit. Tu peux être l'intelligente qui va conduire le van, tu vois. C'est vrai. Alors du coup, il y a... lui commence à partir quand même à toute allure. Hein. Vous voyez qu'il trace. Donc il y a un jet à faire, je vais vous dire. Pour la poursuite, je crois que c'est endurant. C'est enduré, endurer, donc course, courir vite et longtemps. Donc vous me faites tout un jet d'endurer, tout simplement, pour voir à peu près la situation. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Je vais prendre... vous pouvez mettre difficulté, par exemple, au max, on va dire, ou au minimum. Mais je vais prendre surtout vos réussites pour voir qui va le plus loin ou qui va le moins loin. C'est minimum notre... difficulté ou mais... Celui qui va faire le plus de réussite va pouvoir aller plus longtemps dans la course poursuite. Du coup, la difficulté, c'est 1 ou 0? Vous pouvez mettre 1
Et okay. Après, vous avez l'occasion de pouvoir rajouter, si vous avez la spécialité, de relancer. Ouais. Ouais, moi je vais relancer, ouais. Ouais, Charlie, Charlie, du coup, ouais, vaut mieux relancer parce que tu prends un dégât, tu prends un point de ressource en moins. Ouais. Ah, mais je cours avec une caméra, ouais, moi. Ça, c'est ça. C'est vrai qu'on avait pas pris ça en compte. Bah, du coup, vous voyez, bon, bah, ce gars qui part vraiment à toute allure, vous commencez à suivre, puis vois, toi. Charlie, t'as cette caméra qui est assez lourde, tu essaies de filmer tout en... Mais tu vois que c'est un peu la galère, du coup tu la tiens quand même allumée, mais en faisant vraiment, ouais, quand on voit un peu ces scènes avec les poursuites qu'on peut avoir. Et le gars trace, il y a du monde dans la rue. Par contre, Bonnie et Meredith, vous tenez vraiment au niveau du tempo, vous rapprochez de lui... très très vite, en fait, vous courez plus vite que lui. Il semble pas très rapide, mais il pousse les gens. Il y a des gens qui tombent à son passage. Vous distancez Charlie, du coup, qui reste beaucoup plus derrière que vous. Et vous voyez qu'il est en train de traverser la ruelle. Hein. Il passe de l'autre côté de la rue. Il évite les voitures comme ça. Il y a des voitures qui passent à toute allure. Il passe de l'autre côté. Que faites-vous? Moi j'arrête. Hein. Si je suis 10 pieds derrière là, ça sert à rien. J'hésite à utiliser ma déformation professionnelle. C'est-à-dire? Dis-moi, rappelle-moi. Alors, le tout pour le tout. En dépensant un point de ressources, Bonnie devient soudain convaincante et persuasive. Il lui suffit alors de montrer son badge en toc pour obtenir les faveurs qu'elle souhaite. Du coup, je me dis. Peut-être quand... Ouais, je sais pas. Genre, j'imagine mon perso sortir un faux badge, dire... Le truc, c'est qu'il FBI, il te regarde pas vraiment, il est en train de... Il est pas vraiment face à toi. Il est de dos, donc il te regarde pas vraiment. Donc c'est un peu... Il est en train de vous distancer, quoi. Le fait de traverser, tu vois, il a arrêté des voitures, il a pris le risque, justement, pour gagner un peu plus de temps. Et vous... C'est à vous de me dire si vous traversez ou si ce que vous voulez faire. Pour le suivre dans son tempo, déjà. Je traverse, je tente de traverser. Très bien. Du coup, je me dis, bon, j'ai survécu au dé de sang, je peux très bien au dé d'écart. Fais-moi un jet de percevoir, difficulté 1. Ok, percevoir. Oh, ça devrait le faire, hein. Ah, t'arrives à regarder à droite à gauche, tu continues à le suivre. Pour toi, Meredith, est-ce que tu continues ou tu restes avec... Oui, comme elle voit Bonnie continuer de courir, elle la suit. Donc tu me fais pareil. Je vais pas avoir ta mort sur la conscience. Un jet de percevoir, du coup, difficulté 1. Ouais, difficulté 1 aussi. Bon, tu traverses. Toi, Charlie, t'essayes de prendre... Tu fais tes zooms, tu vois, t'es en train de... Tu te déplaces, tu restes sur l'autre trottoir, mais tu filmes vraiment la scène. Tu vois tes deux collègues qui traversent vraiment, les voitures freinent pile au milieu de la rue. Et vous arrivez à traverser, vous passez de l'autre côté, c'est bondé, il y a vraiment pas mal de monde. Hein, c'est en plus jour de marché, vous poussez un peu les gens, vous revenez progressivement hein, sur ses talons. Et il semble vraiment paniqué hein, à première vue. Continue à pousser les gens, il y a des personnes âgées qui tombent et il voit que le trottoir est totalement bondé, il peut plus passer, il y a tous ces marchés, il voit même pas la rue et en fait il commence à traverser encore de l'autre côté, mais malheureusement sans regarder et vous entendez un crissement de pneus et de klaxons d'un semi-remorque qui vient le percuter de plein fouet. L'homme explose sur le coup, hein, carrément, il se fait complètement déchiqueter, il passe sous les nombreuses roues du camion, sa chair et ses membres sont en charpie, il est emmêlé dans les essieux et les roues du véhicule, et en fait c'est vraiment une scène d'horreur qui vient de se passer sous vos yeux, vous arrivez un peu essoufflé, et vous voyez encore, il y a sa main qui est dans la roue, il est complètement en charpie. Et tous les gens sont apeurés, ils regardent la scène avec... Que faites-vous?
Je vomis. mais Reddit, elle arrête Bonnie immédiatement pour pas qu'on s'approche, pour pas qu'on voit qu'on était en train de le courser. Ouais, t'as raison. Du coup, on repart mine de rien, je suppose. On est loin de la scène là ou pas? Ah, vous avez couru en fait et vous êtes arrivé là où il a traversé et ça s'est passé sous vos yeux. Hein, vous l'avez vu, il a explosé sur le coup, hein, comme si tu rentrais dans un corps avec du liquide dedans à pleine allure et puis les restes de son corps sont venus s'en mêler. Bon, je vais pas vous même si j'aime bien j'aime bien cette scène, j'aime bien les détails, j'aime bien dire tout ça. Mais bon. Je pense que Meredith elle est un peu choquée, donc elle met quelques secondes à, enfin, elle est un peu immobile quelques secondes avant de retrouver un peu ses esprits. Moi, je tiens le bras de Meredith un peu en mode soutien. Et je reprends mon souffle et je regarde autour de moi pour voir s'il y a des gens qui nous regardent bizarrement, s'ils ont compris qu'il y a eu une poursuite. Pas vraiment, les gens n'ont pas compris. Charlie arrive et elle arrive avec vous, elle a pu traverser au feu rouge elle. Et du coup elle vous rejoint, vous êtes toutes les trois sur place. Ok. Bon. Si j'ai une autre piste. Ouais. Est-ce que ouais, il y a rien, enfin on peut pas fouiller ses poches, tu vois. Ouais, on va fouiller, ouais. Bon. Vous entendez des sirènes. Ouais, ouais, il doit pas rester. On va se tirer encore. Ouais, on va pas rester on recule dans la ruelle. Fait chier. Bon bah chier. Ouais, on retourne au van, quoi. Vous retournez au van. Putain. Bon. Vous êtes la journée commence très mal. Mais j'avoue. Bah. J'espère que c'était pas un type bien. On peut se rassurer en disant qu'il a essayé de rentrer chez Leslie, mais c'est. C'est quand même très joli. Bon, écoutez, il faut qu'on reste. Faut qu'on reste concentré quand même sur notre objectif. Là, on n'est pas là pour. Voilà, c'est un malheureux accident. J'aurais dû faire plus attention. Je pense que nous, on doit rester concentré sur notre affaire. Ouais, t'as raison. Si on n'avait pas poursuivi, peut-être qu'on serait sorti. Ouais, faut ouais, je dire ça, Bonnie. C'est possible. Je sais, mais peut-être que. Peut-être qu'il aurait traversé la rue et qu'il serait mort quand même. T'en penses à rien du tout, en fait. C'est juste que là, si on s'appesantit trop là-dessus, on risque de se créer plus de problèmes qu'on en a déjà, en fait. Parce que là, moi, je vous le dis, hein, notre reportage, il n'y a que dalle. On n'a rien du tout. Enfin, on a des éventuelles pistes, mais... Ne le prends pas mal, mais on vient d'assister à quelque chose qui, franchement, me donne envie d'oublier ce reportage. Y'a un mec qui vient de mourir, de se prendre une voiture sous nos yeux, et tu penses encore à ton reportage. Bah, je suis vraiment désolée, mais moi je suis là pour ça. Hein. Oui, j'ai bien remarqué. Je pense que il y a quelque chose de pas net dans cette histoire. Je pense que c'est à nous de faire le clair, parce que la police ne le fera pas. Et je ne sais pas qui est cet homme, mais ça aurait été très bien qu'on puisse le savoir, mais... Alors, on finira par le savoir si on continue à enquêter, mais... C'est vrai que là, le choc, il est un peu difficile à encaisser. Mais j'espère je pourrais contacter certaines personnes que je connais, peut-être, et qui sauront me dire, sauront me donner des informations dessus. Mais sinon, je vous avoue que c'est mal parti pour savoir qui était ce mec. Mais il y a assez peu de chance. Hein. On a encore des pistes, on n'a pas fouillé son appartement. L'appartement de Jason. S'il a essayé de rentrer chez Leslie, il a peut-être essayé de rentrer chez Jason. Est-ce que vous voulez qu'on prenne une journée pour... Est-ce que vous voulez qu'on aille voir la police? Est-ce que vous voulez qu'on se recalibre? Moi je comprends, hein, Bonnie, il n'y a pas de souci. Hein. J'entends, mais moi je fais mon boulot. Quoi. Je vois bien. Je pense que la police, c'est pas une bonne idée. Je sais pas ce que t'en penses, Bonnie, mais pour l'instant, ouais, je préfère éviter. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on aille...
qu'on aille chez Jason pour voir. De toute façon, on a la clé, donc on peut essayer. Ouais. Du coup, vu que je suppose qu'on repart, je passe le trajet à. Je ne conduis pas, évidemment. Ouais. Je passe le trajet à bader, à regarder par la fenêtre. On va lui mettre un méchaud de carrière. Vous perdez tous un point de ressources. Et Meredith s'allume une clope. Pour vous dire par rapport à ça. Vous perdez tous un point de ressources. Ok. Donc Charlie est passé à. Non, vous êtes tous à moins un, non ? Charlie, t'en as perdu non, je suis à 4, moi. Oui, t'en as perdu. Pas de le dire. Oh, si. Je sais. J'aime bien, moi. J'aime bien mourir, ça me dérange pas. Ah oui, moi, super. Non, mais si c'est ça le scénario, moi, je trouve ça hyper important, tu vois. Du coup, vous allez au domicile de Jason Callahan, c'est ça ? Ouais. Oui. Donc, vous traversez encore cette ville hein, de long en large. Vous vous rendez plus ou moins pas très loin de Summertime Kinnell, cet endroit où il travaillait. Et vous arrivez à l'adresse indiquée que vous aviez eue sur le portefeuille de Jason, au 110 Canterbury Street, à la résidence Sunset. Son domicile se trouve dans un grand immeuble avec environ 5 étages. Il y a un petit peu de monde dans les rues, mais c'est pas voilà, il y a pas c'est pas comme l'affluence que vous avez eue où vous étiez tout à l'heure avec ce drame. Hein. Transférer. Hop. Vous êtes devant l'entrée. Okay. Bah, écoute, on a la clé. Hein. Vous voyez que arrivé au hall d'entrée, vous faites face à une porte en verre hein, fermée. Et à sa gauche, il y a les numéros des appartes et il y a une pancarte où est écrit pour toute demande, appelez le concierge au 1. Ah. Il n'y a pas une liste d'appartements où on peut avoir les noms avec les étages. De là où vous êtes, là vous êtes dehors, vous ne voyez pas ça, non. Il y a une espèce de digicode pour faire un code pour rentrer. Vous voyez pas vous voyez qu'il y a des boîtes aux lettres à travers les vitres. Vous voyez des boîtes aux lettres plus loin. Vous avez aucune de l'extérieur, vous n'avez aucune information sur le numéro de l'appart de Jason. Et la porte, elle a une serrure ? Non, c'est un digicode là. Il faut faire un code pour rentrer en fait. Une espèce de clavier numérique et il faut faire le code et qui donne accès à. Ah, tu peux appeler Leslie. Ah oui. Si elle décroche. Oui, la ligne avait l'air coupée la dernière fois qu'on a essayé, c'est pas faux. Non mais vas-y, on essaye, hein, ça vaut le coup d'essayer, on verra. Malheureusement, elle ne décroche pas. Ok, donc deux options, soit comme Bonnie proposait, on appelle le concierge. Soit on essaie d'être discret, on peut pas sonner chez les gens ? Oui, vous pouvez sonner, il y a les numéros, vous pouvez sonner chez les personnes, ouais. Comme vous pouvez sonner chez le concierge, y a les autres numéros sont. Il y a tous les numéros d'appart, plus un autre, un clavier numérique à 9 codes, donc il y a les deux, quoi. Est-ce qu'on préfère être discret ? Ouais. Allez-y, dites-moi. Je serais d'avis d'appeler le. Enfin, d'essayer de joindre. Le concierge Ouais. Ok. Puis si on n'arrive pas à le joindre, on fera la deuxième méthode. Ouais, pas de soucis. Okay. Number one. Ouais, tu sais. C'est ce que vous voulez. T'as encore les gamins là, qui font les blagues Non, bonjour monsieur, je m'appelle Charlie Willis. Je travaille pour Spark, Spark TV. Vous en avez entendu parler ? Non. Sparks. Ok, je travaille pour une émission qui s'appelle Channel Fear. Et j'aurais bien aimé vous poser des questions sur un des locataires de cet endroit. Ouais, c'est pour Jason encore. C'est ça. Ouais, bonjour. J'arrive, laissez-moi 5 minutes. J'arrive de suite. Oui. Donc, quelqu'un est venu avant nous. À mon avis, ça devait être ce mec. Probablement les journaux. Vous voyez un homme. Bah, l'autre type avait quand même l'air d'avoir un coup d'avance sur nous à chaque fois. Oui, c'est vrai.
Il y a un homme d'une soixantaine d'années qui apparaît, de style caucasien, de taille moyenne, trapu, avec des lunettes de soleil, une longue barbe poivre et sel. Et il est couvert de tatouages et il possède un t-shirt, semble-t-il, un obscur club de moto. Il semble aussi traîner la patte, boîte en bas, et il a un peu la tête dans le cul, en fait. Ouf. Bonjour, oui. Mesdames, alors... Bonjour, je lui tends la main. Charlie Willis, comme je vous ai dit. Ouais, Jerry Silverman, le concierge de l'immeuble. Alors, Jerry, je vais passer Silverman à la télé. Oh, bah si vous voulez, après, il n'y a aucune obligation, mais bon. Nous, on vient vous poser des questions, principalement. Après, c'est vous qui voyez. Vous avez de la chance de pas être la police, sinon, je vous aurais pas ouvert. Ils sont passés me poser plein de questions, déjà. Je peux pas les voir, ces gros connards de flics. Répondu par le stéréo. Ouais, juste pour les faire chier. Ouais. Écoutez, on a les mêmes objectifs et ça, ça me plaît. Ouais, qu'est-ce que vous voulez savoir, les... mesdemoiselles ? Mesdames, en fait, on a quelques questions sur Jason, enfin, savoir comment il était quelques jours avant sa mort. Ouais, ouais. Est-ce que vous... Mais par contre, on a une très grande question à vous poser avant. Est-ce qu'il y a un homme qui est passé vous poser des questions qui n'aurait pas été de la police ? Ouais, bah, y a eu du passage, hein, petite dame, ouais. Vous savez, j'en ai vu pas mal, hein. Il y a eu des journalistes, il y a eu des détectives, non, la police, il y a eu des gars tout seuls. Ce serait un homme grand. Ouais, cet homme tout seul, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Comment est-ce qu'il était physiquement ? Bah, il vous décrit vraiment le même homme. D'accord. Il vous a pas donné son nom par hasard ? Non, il m'a dit qu'il connaissait depuis longtemps et qu'il voulait savoir si voilà, il voulait. Mais je l'ai pas ouvert. Il m'a semblé un peu louche, ce gars-là. Ah, oui. Est-ce que vous pourrez dire qu'il ressemblait un petit peu à Jason ou un air de famille, par exemple ? Ouais, c'est vrai, peut-être. C'est vrai, maintenant que vous le dites, j'y avais pas pensé, mais bon. Vous savez, ce gars-là, là, ce Jason, il était discret, gentil, il n'avait aucun retard dans ses paiements, d'après son proprio. C'était le locataire idéal, quoi. Il habitait à quel étage, vous savez ? Ah oui, bien sûr, oui. Je peux vous y amener si on arrive à s'entendre. Moi, ça fait 5 ans, hein, qu'il est ici. Je n'ai croisé jamais, j'ai jamais croisé de sa famille ou quiconque. Hein. Oui, c'est ce que sa petite amie nous a dit quand elle nous a donné les clés de l'appartement. Ah ouais, cette mignonne petite nana là qui vient régulièrement. Ouais, je pense que c'était sa meuf, ouais. Une jolie brunette. Ouais, je suis pas vraiment c'est ça. Pour la reconnaître. Ouais. Mais, du coup, elle nous a autorisé à rentrer chez Jason. En fait, vous marchez, vous êtes en train de marcher. Il dit, mais. Maintenant que vous me dites, il y a environ une semaine, ce petit couple, là, je les ai entendus s'engueuler. Hein. Je sais pas vraiment pourquoi, mais c'était bien tendu dans le hall. Hein. J'espère que Jason ne s'est pas foutu en l'air à cause d'un amour déçu. Hein. Ça arrive, hein. Bon. Ouais, c'était pas elle vraiment avait une raison beaucoup pour s'en prendre par à des sa chiens, mort, hein. Donc. Hein, pardon? Ah, c'était pas vraiment une raison pour s'en prendre à des chiens. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Malade. Probablement écoutez, un coup de folie. Hein. Moi, j'ai le double des clés, donc on peut peut-être s'arranger si vous êtes suffisamment persuasif. Je veux. Bah, moi, je... Genre, les clés, on n'a pas besoin, en vrai. Ouais, c'est ça. Quand même, comment ça, vous avez pas besoin des clés? Je suis quand même responsable de l'immeuble. Je peux pas vous laisser... Je vais sortir 100 balles de la petite enveloppe. Voilà, oui, on s'entend. Voilà. De suite. Eh oui. Le langage universel. Là. L'argent fait tout. Écoutez, suivez-moi. Allez, on y va. Juste pour ce prix-là, vous avez aussi... Enfin, il y a une semaine, c'était à peu près l'anniversaire de Jason, en fait. Est-ce que vous auriez entendu autour de quoi tourner la dispute ? Est-ce que c'était justement au sujet de cet anniversaire ? Rien du tout. Oh, non, moi, je pas mes oignons. Moi, j'aime pas qu'on fouille dans les affaires. J'ai juste entendu
Les insultes, ils se gueulaient dessus, après j'ai pas. Non, Attendez, je me permets de redemander. La dispute, elle a eu lieu le jour de son anniversaire. je sais même pas quel jour c'est son anniversaire, moi, ce gars-là. Vous me parlez, j'en sais rien. Il est né quand? Là, il y a une semaine, c'est ça? Ouais, peut-être avant, à mon avis. Un petit peu avant. J'en sais rien, en fait. Ouais, c'est Ok. beaucoup de questions, hein. Ça demande Oh non. de Ah mais chercher on est dans mon journaliste, crâne, hein. hein. Il est plutôt jeune. Enfin bon. Non, mais j'ai pas vraiment de date précise à vous donner pour ça. Tu vois, il se gratte la tête, il réfléchit, mais. Ouais, c'est à peu près une semaine, 10 jours, un truc comme ça, quoi. À la Et à part louche. Leslie, pardon. À part Leslie, il y avait personne qui lui rendait visite. Ouais, non, je n'ai pas le souvenir. Ouais, je vous ai dit, c'était un gars tranquille. Vous voyez, vous marchez dans cet immeuble, hein, les couloirs de la résidence sont un peu miteux, hein, il y a une vieille odeur de moisi qui règne dans ces lieux, et y a pas mal de trucs en tout genre qui traînent par terre. Il y a des canettes, des paquets de clopes usagés, des papiers, des traces de poussière, de terre. Du coup, il vous dit, ouais, bah, c'est là, le numéro 32. C'est ici. Ok, bon. Bah Jerry, merci beaucoup. Bah, écoutez, hein, tu vois, il ouvre la porte avec sa clé. Il vous ouvre la porte. Je refermerai, je reviendrai. Ça marche. Faites comme chez vous. Et il vous fait un peu un sourire Merci forcé. Hein, beaucoup. et du coup, il s'en va. Bon, c'est parti pour fouiller. Et nous voici dans l'antre de Jason Callahan. Et du Ce que coup. vous entendez. Ouais, c'est ça. C'est un petit meublé, hein, très mal rangé. Hein. Il y a une bicyclette, hein, qui côtoie des caleçons jetés sans ménagement dans l'entrée. Hein, c'est le premier truc que vous voyez. Il y a une très forte odeur dégueulasse qui s'échappe de l'appartement, par contre. Hein. Mais vraiment, vous êtes obligé de vous couvrir le visage, quoi. En avançant, vous voyez que dans le coin cuisine, il y a un pack de bouteilles de lait qui a été vidé sans ménagement dans l'évier. Le lait a, Non, pas semble-t-il, du lait. tourné puis a fermenté avec la chaleur. Ça, c'est ce qui diffuse cette affreuse odeur de pourrissement. Je vais ouvrir l'eau. Très bien. Après Donne-moi avoir une fait. fenêtre. Est-ce que dans la pièce, il y a des traces pareilles, vertes, de moisissures Percevoir. Ok, difficulté. Un. Tu vois qu'il y a des traces de moisissures vertes sombres qui tapissent un petit endroit sur le sol, à certains endroits, on va dire, et ainsi que sur quelques meubles, le canapé et aussi vers la salle de bain. Vous voyez qu'il y Je a. vais vers la salle de bain, là. Tu vas vers la salle de bain et. Tu vois qu'il y a un. Le seul truc que tu vois, c'est qu'il y a quelques affaires de femmes. Il y a un tube de cosmétiques féminines, de couleur orange aussi, qui est dissimulé dans l'armoire à pharmacie. Moi, je cherche la chambre pour fouiller un peu Tu toutes les cherches la affaires. chambre, tu vois qu'il y a quelques cadres où Jason est visible, souriant, avec la même femme brune aux cheveux longs. C'est Leslie. Elle est pâle, Pas de avec photo de un. famille. Pas de photo de famille, non. Avec un léger embonpoint. Puis, vous trouvez un calepin sur la table. Sur la table basse du salon. Il a écrit quelque chose Qu'est-ce qu'il dessus. y a eu? Ouais. Ah, vous l'ouvrez? Ah bah Oui. oui. Oui, Oui, hein. Bah oui, moi Quelle je m'attendais à ce que tu nous question. le dises. J'adore. Oui, moi aussi. En fait, il y a un mot daté du jour de sa mort officielle.
une adresse en ville avec la mention « Rendez-vous, 18h, professeur Gassama, 10 Falcon Street, Silent Peaks ». La mort officielle, c'est la mort supposée du légiste, c'est ça c'est 10 jours avant qu'il se défenestre. La mort officielle, c'est la on avait dit la mort officielle. Non, la mort officielle, c'est la mort, voilà, qui où il est mort par rapport à au flic. L'officieux, c'est quelques jours avant, oui. D'accord. Vous trouvez aussi, en cherchant un peu dans son appartement, l'adresse de ses parents. Déjà. Vous l'aviez déjà, mais vous la retrouvez. Pardon. Donc si on suit la logique du légiste, il a écrit ça pendant qu'il était anatomiquement décédé, quoi. Ouais. Ouais. Ok, très étrange. Bon. Je sais pas comment il aurait pu écrire ça. Moi, je vais regarder sur Google si l'adresse, elle correspond à un cabinet médical ou... L'adresse de monsieur Gassama Galton, ouais. D'accord. Professeur. Professeur. Galton. Je regarde, tu vois, professeur Gassama, marabout. Marabout. Ah, ça, c'est dans ton domaine d'expertise. Ah, oui, ah, exactement. Dites. Et du coup, quand elle dit que c'est un marabout, je vais utiliser ma déformation professionnelle. Ouais. Et sensibilité, du coup. Et en utilisant un point de ressource, Meredith peut savoir si un esprit hante le lieu précis où elle se trouve. Par rapport à là où vous êtes, chez Jason, alors. Oui, chez Jason, savoir s'il y a quelque chose d'étrange chez lui. Très bien. Malheureusement, non. Ah, oh, scheiße. Non, il n'y a rien du tout. Dommage. On ne trouve rien. Bon. Bon, du coup, moi, je que vous que voyez, elle fait des petits gestes chelous, elle se rentre un peu en France, et puis en fait, elle revient avec rien. Ouais. Ok. Ouais, mais du coup, là, on a deux options. Est-ce qu'on va voir ce professeur, ou bien est-ce qu'on essaye d'aller chez les parents de Jason? Moi, je trouve que les parents, ça y est quand même un truc qui revient souvent. Ouais. Hein. Mais d'autant qu'en fait, il passait tous ses anniversaires chez eux. Oui, et que c'est le jour où techniquement il est mort. Mm-hmm. Enfin, d'après le légiste. Ouais. Bah, allons chez ses parents alors. De toute façon, on peut très bien faire les deux, faut juste savoir par lequel on commence. Bah, moi, je me pose la question parce que ce qui sait ce qu'il y a dans mon esprit là tout de suite, c'est je me dis que en fait, il lui est arrivé quelque chose le jour de son anniversaire, c'est ça? Oui. Et ensuite, il est allé voir un marabout. Donc ouais. Si on va voir ses parents, là où vraisemblablement il a passé son anniversaire, peut-être qu'on ne sera pas prête à ce qu'on va découvrir. Peut-être qu'on peut commencer par aller voir le professeur. Ouais. Au moins on saura peut-être ce qu'il lui a dit, les symptômes ou n'importe quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, comme vous voulez, ça me va. On fait le marabout alors. Comme ça on arrivera plus prête, plus prête. Je me dis, parti. Peut-être qu'au moins ça nous fera un sujet à... Ah oui, bah oui. C'est ton collègue et concurrent. Donc, du coup, il n'y a pas tellement de concurrents. Vous sortez de l'immeuble, vous refermez la porte. Voilà, et vous arrivez à votre van. Vous avez bien noté l'adresse et du coup, vous repartez encore à travers la ville. Et continuez un peu votre enquête. Et l'adresse vous mène à... un long immeuble de 5 étages. C'est parti. On va sonner, hein. On va chercher le professeur Gassama. Gassama. G-A-2-S-A-M-A. Gassama. Du coup, vous voyez, y a une partie, il y a un immeuble qui a été refait, et il y a une autre partie qui est un peu plus vétuste, et c'est vraiment dans la partie vétuste où vous allez. Vous montez vous entendez pas mal de cris dans l'immeuble, et pas mal de cris d'enfants qui jouent, ou qui deux, trois engueulades. Vous arrivez devant la porte, et vous voyez vraiment sa plaque, un professeur Gassama, marabout. Bon, bah, je pense qu'on est au bon endroit.
Bah allez, hein. Du coup, sonnons. Eh ben, on sonne. Vous sonnez et vous entendez baragouiner un peu derrière la porte et un homme noir. Cette fois-ci, il est noir. Hein. Il est bien noir. Il ouvre la porte. Il a environ la cinquantaine avec une barbe hirsute blanche. Il a... Ouais, il a des petites lunettes rondes et ouais, il porte des grands habits amples à damier colorés avec de, une sorte de boubou avec de nombreux colifichets autour du cou. Il vous regarde et il vous fait un grand sourire. Hop. Je vous montre. Bonjour, bonjour, vous n'aviez pas pris rendez-vous ? Non, on est passé à l'improviste. En fait, on est une équipe de télé. On fait un reportage et on enquête sur la mort de Jason. Vous avez dû en entendre parler dans les journaux. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, vous avez de la chance, j'ai un créneau de libre. Rentrez, s'il vous plaît, rentrez. Ah, c'est gentil de nous accueillir. C'est très sympathique. Merci. Donc, vous découvrez un intérieur... Être une bonne personne. Ouais, modeste. Yeah. Il y a une forte odeur safranée hein, qui sature l'air de cet appart. Il y a tout un tas de tentures, il y a des grandes bougies, il y a des rideaux de perles colorées, enfin... Asseyez-vous. Vous voulez un thé, peut-être ? Quelque chose à boire ? Ah oui, volontiers. Okay. Mais vous allez filmer, là ? Si vous acceptez, oui. Non, je suis pas trop d'accord avec ça. Pas de problème, vous serez pas filmé dans ce cas. Je veux bien vous dire quelques mots, si vous... À la caméra, peut-être, mais si vous m'aidez à faire 2-3 trucs. Si vous acceptez de distribuer quelques flyers promotionnels dans la rue. D'accord. Ça me fera de la publicité. Parfait. Avant tout... C'est une émission de quoi ? Pourquoi vous vous intéressez à Jason ? On a été engagé par sa petite amie, en fait, parce qu'elle veut en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé. Écoutez, j'ai besoin de prononcer quelques paroles pour nous protéger du mauvais esprit. Vous voyez qu'il commence allez-y, à se lever, il fait griller une espèce de truc d'encens comme ça, et qui met dans toute la pièce comme ça. Vous regardez toutes, il est en train de baragouiner. Sidi Anaka, Fawera Sura, Kliyami Fanaka, Bouli Falikala. Ça nous protégera des mauvais esprits. Et c'est gratuit, il faut profiter de ça. Il continue à chanter dans la pièce, et puis au bout d'un moment, il s'assoit comme ça. Et... Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Jason ? Vous avez eu rendez-vous avec lui, il me semble. Oui, il est passé vous voir, peut-être. Oui, c'est vrai. Monsieur Callahan n'était pas bien du tout. Il se sentait très mal. Il m'a expliqué qu'il faisait des rêves étranges où il entendait les pleurs d'un bébé. Il se pensait possédé et voulait être exorcisé rapidement. D'accord. J'ai trouvé ça très bizarre. Il vous a donné des détails sur la fréquence de ses rêves, depuis combien de temps il en avait, etc. Mais je crois qu'il avait des rêves tous les jours. Hein. Après, j'ai essayé de tenter de lui enlever cette malédiction qui pour lui me avait l'air d'être très dur à vivre. Hein. J'ai essayé d'effectuer un rituel et Jason s'est mis à exhaler une affreuse odeur d'œuf pourri. Tandis que de mon côté, je ne pouvais poursuivre car je vomissais du sang et j'ai paniqué. Du sang ? Oui, j'ai vomi du sang. Je ne sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Et il est reparti du coup ? Mais sur le coup, j'ai eu peur pour ma santé. C'est normal, j'ai réalisé avec regret pour lui que je ne pouvais rien faire. J'ai l'impression que qu'au moment de nos rendez-vous, le dernier, il n'avait pas d'âme, il était déjà mort. Et à défaut de l'odeur, est-ce que vous aviez remarqué quelque chose physiquement ? Est-ce que son physique aussi avait changé ?
Oui, il avait des espèces de croûtes sur lui, des taches vertes aussi, hein, j'ai remarqué. Hein, et je lui ai dit hein, que je ne pouvais rien faire et M. Callahan est parti. Il était effrayé et abasourdi par mes révélations, que je ne pouvais rien faire, qu'il n'avait plus d'âme pour moi. Hein, et il ne m'a même pas payé. Hein, ça m'a vraiment irrité. Hein, mais d'un côté, je préférais faire profil bas et éviter d'envenimer les choses avec les mauvais esprits. Hein. J'ai vomi du sang. Et moi, je ne veux pas de problème avec ça. Et je n'ai pas envie d'avoir le mauvais œil hein, et ainsi être contaminé par le mal et de le payer au prix fort. Hein. Moi ou ma famille, c'est pour cela que je me suis forcé à garder le silence. Hein. T'es obligatoirement obligé. Il vous a Marrant, parlé de ce qu'il savait, il avait une idée de l'origine de la cause de ça. Non, on a essayé de chercher, comme je vous ai dit, mais on n'a trouvé aucune solution à son problème. Il semblait comme possédé, cet homme, hein, sur la fin. D'accord. Il était très en colère. Hein. Il En vous a dit colère, contre oui. qui? Pardon? Il vous a dit contre qui? Il m'a parlé un peu de sa famille, il m'a parlé de sa petite amie, mais après je ne sais pas trop, hein. Moi je ne rentre pas dans l'intimité des gens, moi je suis marabout, je ne suis pas un psychologue, hein. Je suis là pour enlever Voilà. les choses de la tête des gens qui sont un peu spécifiques à ma spécialité, hein. Mais je vois que vous avez un pendule aussi, vous êtes du métier. Oui, je suis médium aussi, taromancienne et astrologue un Hein. Très peu. bien, vous êtes collègue de travail. Ravi, ravi. Exactement. Tu vois, il te serre la main. Je lui serre la main avec un petit sourire. Je ne sais pas quoi vous dire de plus que ce que je vous ai dit. D'accord. J'ai pas plus d'informations. Si on vous parle de est-ce que vous avez ressenti quelque chose qui serait proche de Merde, attends, je cherche le nom. Putain, la maladie, c'était quoi le nom? Le Collodion, je collodion, crois. Collodion? collodion, ouais. Collodion? C'est la première fois que j'entends ce nom-là. Je ne sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est un Ok. médicament? Non, c'est Non, une une maladie. maladie. Plutôt D'accord. une maladie. Non, Non, bah, je n'ai c'est pas. pas entendu ça, non, jamais. Bon. Non, non, non. Mais écoutez. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Je vais passer à la télévision. Oui, peut-être. Si vous Ça acceptez, vous hein, fera toujours. une pub. Oui, c'est pas faux. Vous pourriez dire que j'exerce à Silent Peak, ça peut m'aider, c'est vrai. Mais si vous pouvez donner quelques prospectus, ça peut être sympa aussi. Ah, chose dite, chose due. Je prends les prospectus. C'est gentil. Bon, mais Ça écoutez, changera. merci d'être venu. Je vais vous raccompagner. J'ai un client qui doit arriver bientôt. Excusez-moi. Pas de souci, merci. Du coup, il vous ramène Monsieur, à. c'est une très bonne personne. Ben non, c'est rayé, hein. Tellement de jugement moral. Il fallait que vous Terrible. sortiez parce que j'avais du mal avec cet accent. Ça me prend le. C'est Très bien fait. couillu, hein. C'est Hein? couillu. Ouais. Ah, merci. Pas mal. Je m'entraîne, hein, le matin, là, devant la Attends. glace. C'est vrai? Le soir, je Ouais, je disais aussi mange. que. Tu te rases le soir. Non, Ok. non, c'est vrai. Ok. Mais je me rase. Comme trop d'informations. Du coup, il ouvre la porte, il vous fait sortir, il vous fait un signe, un léger sourire, et il vous donne un gros paquet de prospectus. Du coup, et merci beaucoup, madame. Et vous redescendez de Avec l'immeuble et plaisir. vous distribuez un peu de ces prospectus dans la rue. Normalement, vous posez un peu dans une cabine, un plus gros paquet dans un endroit, puis vous rejoignez le van en vitesse sans s'entraîner. C'est pas trop votre domaine, mais que faites-vous maintenant? Bah, go chez les parents, Ah, chez les hein. Je pense que là, parents. c'est le bon moment. Très bien.
Donc l'adresse, vous parcourez ouais, on va dire une vingtaine de kilomètres quand même hein, pour Ah arriver, ouais. pour Ah arriver oui. à l'adresse indiquée. Bon, il n'y a pas grand monde sur la route. Vous découvrez une sorte de grange. Hein. Il y a une épaisse brume qui vous a accompagné pendant un moment. Dès que vous garez le véhicule, il y a comme un silence pesant hein, qui règne sur place. Vous entendez quelques animaux en vous rapprochant un peu plus près de la grange, des vaches apparemment et des poules. Bon. Bah, vous va vers l'entrée, non? Il y a de la Ouais. lumière, on a l'impression de voir que il y Tu a des vois trucs qu'il y a qui une pourraient petite me dire que lumière, je suis pas là. il y a une grange et puis en face il y a une petite maisonnette très vétuste, il y a une lumière à l'intérieur. Il est environ 11 h là, 11 h 30. Ok. Bon, bah, on va vers la petite maison. Vous ouvrez, vous voyez, il y a un petit portail que vous êtes obligé de lever pour pouvoir passer, que vous refermez derrière vous. Et vous commencez à marcher, tu prends tes plans avec ta caméra, tu essaies de vraiment une atmosphère spéciale qui règne vraiment dans ce lieu, et comme quelque chose de mystique. Toi, Meredith, tu ressens quelque chose de peu commun dans ces lieux. Tu pourrais pas expliquer vraiment ce que c'est, mais ouais, t'as une sensation sensation un peu bizarre. Sans pouvoir vraiment expliquer si c'est la lumière ou si c'est le son, le silence, et vous avancez sur ce petit chemin de terre. Il y a environ une quinzaine de mètres qui vous séparent de l'entrée. L'exploitation est d'une taille moyenne, hein, elle ne semble pas vraiment très bien entretenue à première vue. Vous êtes devant cette porte de cette maison. Que faites-vous? Toc, toc, toc. Du coup, il y a une dame, ouais, elle doit avoir plus de 60 ans, hein. Je vous montre. Ouf. Je vais passer en dessus. Très beau jeu. Madame... Ouais. Madame Callahan, j'imagine? Vous voyez cette dame, ouais, vraiment, qui ouvre juste. En fait, là, il y a deux portes, vous savez, des trucs américains. Il y a une porte de sécurité, plus cette espèce de. Cette seconde qui. En fait, il y a une porte fermée et l'autre, et elle ouvre la porte. Vous voyez cette femme qui a les joues creusées, hein, des yeux bleus. Elle est très coquette malgré son âge, avec un collier de perles qui est accroché à son cou et une robe rétro. Elle semble un peu perdue dans ses pensées. Oui, et que voulez-vous? Vous êtes de la police encore? Non, rien à voir. Je m'appelle Charlie Willis. Je suis journaliste pour Sparks Ah, les Enterprise. journalistes. Ah oui, vous devez en avoir marre de nous voir. Non, mais écoutez, d'accord, bien rentrez. Je suis Lynn Callahan. Je suis enchanté. Elle enlève le loquet, elle ouvre la porte grillagée qui grince. Installez-vous, entrez, mesdames. Installez-vous dans le salon. Hein. Vous désirez du café, du thé Moi, t'es sûr. Un petit café, ce serait pas de refus, merci. Avec Oui, plein de café sucre. aussi, merci. Avec plein de sucre, la chantier. Du coup, vous rentrez, vous entendez ce plancher hein, qui commence à craquer sous vos pas. Hein. Elle vous laisse un peu seul. Vous constatez que c'est une maison qui accuse son âge. Hein. Elle est aussi calme que lugubre. Il y a tout un tas d'appareils électroménagers HS qui sont un peu posés dans chaque coin, ainsi que des bouteilles de butane rouillées qui traînent par-ci par-là. Il semble qu'il y a un deuxième étage dans cette maisonnée. Elle est quand même propre, mais vraiment dans un triste état. Hein. En fait, sa vétusteté, ça témoigne vraiment des moyens financiers limités de la famille Callahan. Et puis, Madame Callahan ramène un Est-ce plateau avec des biscuits et du café. Tu voulais me dire quelque qu'il y a chose? des photos? Ouais.
Est-ce qu'il y a des photos de famille? Tu regardes, tu vois qu'il y a une étagère avec les photos et tu vois l'homme qui a été écrasé par Oh le semi, putain. Oh putain. qui est avec cette dame en train de ils se Cette tiennent dame, votre fils est mort. ils se tiennent en Oh fait par voilà comme s'ils avaient une accolade. putain. Et du coup, je fais un gros plan sur cette photo, puis quand elle revient, je dis, mais c'est votre fils? Oh pardon, qui ça, lequel? Je regarde la photo. Celui qui est avec vous sur la photo, Ah là. non, mais c'est mon mari. Votre mari. Et Oui. son nom est... Mais pourquoi vous me demandez ça, voyons? Voilà, elle semble un peu. Mais Elle parce vous qu'on regarde. trouvait qu'il y a... On se demandait si c'était... Enfin, il n'a pas l'air particulièrement âgé, du coup, on se demandait si c'était le frère de... Comment? De Non, c'est le Jason, ou père de si... Jason, c'est John. John D'accord. Callahan. Oui, John. c'est mon mari. Il devrait pas tarder, hein, vous savez. Il doit être là dans pas Oui. longtemps. Mais ça me fait plaisir de voir un peu de monde, hein. Je n'ai pas vraiment de visite ici. Et puis, Ah bon? bah, vous avez. Malgré les derniers événements? Bah, disons que oui, avec les derniers éléments, j'ai des visites, mais. Ça me fait plaisir de voir trois filles charmantes comme vous et coquettes. Je n'aime pas trop ces gars prétentieux qui posent ces questions toujours. Je suis très mal à l'aise par rapport à la gente masculine. Et puis depuis que Est-ce... Jason, tu vois, elle s'essuie les yeux, elle semble un peu perdue dans ses pensées. Excusez-moi. C'est pas grave, prenez votre temps. Justement, en parlant de Jason, est-ce que enfin, sa petite amie Leslie nous a dit qu'il n'était pas très proche de vous? Est-ce qu'il y avait une raison? Est-ce que vous avez l'air tout à fait charmante? Je vois mal refuser de voir ses parents. Ou... Oui, disons que notre fils nous a laissé entendre qu'il était en couple, mais il nous a pas révélé l'identité de sa petite amie, et encore moins daigné nous la présenter. Je suis Et sûr que il c'est la vous a faute donné de une cette raison? fille. C'est cette fille Ah. qui c'est à cause d'elle qu'il a fini ainsi. Vous devriez la chercher et la retrouver pour que mon fils puisse enfin reposer en paix. Vous Est-ce l'avez vu quand que. pour la dernière fois, votre fils? Oh, Jason, la dernière fois, bah, il y a environ une semaine, pour son anniversaire. Nous ne l'avions pas vu depuis l'année dernière pour. Son précédent anniversaire. Nous nous C'est une entendions pas très tradition. bien, pour tout vous dire. On avait. C'était assez Pourquoi? compliqué. Disons que notre fils Jason nous rejetait. C'est parce qu'il nous. Il nous trouvait trop campagnard et qu'il rêvait du mode de vie de la ville. Mais mon mari et moi, nous sommes très heureux ici. Nous sommes bien à cultiver la terre. Il avait des frères et sœurs, Jason? Oui, nous avons deux filles qui sont à New York dans l'université ensemble. Elles D'accord. reviennent pendant les D'accord. vacances. Est-ce que par hasard, vos enfants ont été malades quand ils étaient bébés? Malade, comment ça? Oui, les maladies, ça Non, non, arrive. une maladie plutôt Une maladie grave. particulière. Maladie Quelque chose dont on ne particulière. survit pas normalement, vous savez. Des maladies très graves. Non, rien du tout. Non, non, je m'en souviendrai quand même, c'est la chair de ma chair, donc. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis inquiet pour John. Ça lui ressemble pas d'être en retard. Je ne sais pas ce qu'il fait. Tu vois, il regarde sa montre. Il regarde un peu dehors comme ça. Et le jour de son anniversaire, votre fils était perturbé ou...
comme je vous ai dit, nos rapports étaient conflictuels. Donc oui, il y a toujours eu des mots plus déplaisants que d'autres. Voilà. Quand on se voit une fois par an, on essaye de faire le profil bas, mais c'est difficile. C'est difficile. Il y a toujours des... Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose précis qui vous est dit à un moment donné où il s'est énervé contre vous? Oh, c'est un peu toujours rébarbatif. Ça parle de notre mode de vie, comme je vous ai dit, et le fait qu'il voulait partir, qu'il ne voulait pas rester. Est-ce que je peux vous emprunter vos toilettes, s'il vous plaît? Oh, mais bien sûr, madame, bien sûr. Vous regardez, la porte, c'est juste là, juste à gauche. Je peux m'éclipser, enfin je peux genre me tromper porte sans qu'elle le voie ou... Ouais, tu vois qu'elle est quand même très diminuée, donc tu vois qu'il y a pas mal de portes, hein. Elle te montre la porte qui est, mais t'as quand même pas mal de portes à ta disposition. Il y a les escaliers, donc... Elle a l'air d'avoir quel âge déjà, la dame? Elle a plus de 60 ans, hein, facile. Mais du coup, son mari qui a la quarantaine, votre mari est quand même sacrément jeune. Oui, il faisait pas son âge. C'est vrai qu'il faisait beaucoup plus jeune pour son âge. Mais bon, on avait un peu de différence, c'est sûr. Mais vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Oui. Mais je suis inquiet. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas là encore. Non, mais vous inquiétez pas. Ah, mais j'aimerais bien vous voir. Je suis sûr qu'il va revenir. Donc du coup, toi, t'arrives, t'as plusieurs portes, hein, Charlie. T'as la porte des toilettes, t'as une autre porte à droite, une porte à gauche, t'as les escaliers. Moi, je vais entre-ouvrir un peu toutes les portes et puis regarder un peu les pièces. Voir tu si vois y a des tout, trucs tu, il y a une porte, tu trouves une espèce de chambre dans le noir. C'est pas très bien éclairé, on dirait peut-être la chambre d'une de ses filles. Ok. Tu rouvres une porte et tu vois des escaliers qui descendent, on dirait que c'est une cave. Dans Est-ce le noir, pareil. Tu sens vraiment l'odeur d'humidité un peu d'un endroit un peu humide. Ok. Et si je monte à l'étage? Ouais. Ouais. Tu grimpes. Tu vois qu'il y a aussi il y a trois chambres. Tu découvres la chambre du couple sûrement. Uh-huh. La chambre de Jason. Qui a l'air d'être resté comme tel depuis qu'il est parti. Hein. Tu vois, il y a pas mal de ses jouets quand il était gamin, de bouquins de ses études, tout un tas de collections de petites voitures. Il y a encore ses vêtements qui sont bien pliés dans l'armoire. Pas d'odeur particulière, c'est tout. Il y a un peu de poussière par contre. Mais tu trouves rien de spécial. Et il y a une autre chambre, et sûrement celle de son autre sœur, en fait, qui est à l'étage. Ok. Bon. Bah, écoute, si je trouve rien, s'il n'y a rien qui attire mon attention, je vais pas rester avec ça. Très bien. Bah, je vais redescendre, moi. Donc tu aurais des... On aurait dit que vous aviez la grosse commission. Vous avez passé un moment. Oh. Non. Quelques... Petite vieille, tu sais. C'est pas exactement ça le problème, mamie. Non, bah oui. Bon. Est-ce que vous avez un chien? Non, nous n'avons pas de chien dans la ferme. Pourquoi cette question? Elle est toujours omnibulée hein, par la fenêtre, vous voyez qu'elle regarde, elle est très attentive à la fenêtre. Ouais, elle est Ah comme... oui, elle attend son mari. Ouais, elle attend son mari. Son mari mort. Hein? Est-ce que vous dites? Tu n'es pas compris. Elle dit que ton mari il est mort. Non. Non, elles ont rien dit, vous en faites pas. Bon. Bah, écoutez. Euh...
On va peut-être y aller, nous, parce que... Si et... quelque chose vous revient en mémoire, un comportement bizarre ou un détail qui vous semble important, peut-être qu'on peut vous laisser notre numéro et vous nous... Oui, laissez-moi votre carte. J'en parlerai à John quand il rentrera. Oui, faites ça. D'accord. Quand il est parti, Jason, il est retourné chez lui. Il vous a dit où il allait après. Il était censé repartir chez lui. Non, oui, je pense. Il devait travailler, je crois, le lendemain. D'accord. Il a sa petite amie à Silent Peaks, donc sa vie est là-bas. Et il est reparti vers quelle heure, vous savez ? J'ai beaucoup de détails. Il est parti après le repas, il devait être 23h. Ok. Ok. Et John, okay. Votre mari, vous savez rien à nous dire de particulier ? Il s'entendait bien avec votre fils ou c'était pareil un peu? Non, non, nos relations c'était très tendu entre eux deux. Je suis une mère, donc j'essaye de faire tampon, d'arrondir les angles, on va dire. Donc. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il s'est absenté, votre mari? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Je ne sais pas, il a souvent des courses à faire en ville ou... Non, je n'ai aucune idée. Mais il rentre toujours à midi. Il est midi et quart maintenant. Donc je ne comprends pas. Ça m'inquiète. Bon, bah, si tu l'as eu un. Tu dois être en train de manger en ville. Non, non, il me l'aurait dit. Il m'aurait appelé. Ça ne lui ressemble pas. J'hésite même à appeler la police parce que. Oh, il a peut-être juste plus de batterie, vous savez, ça arrive souvent. Ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'arrive tout le temps, personnellement. Oui, si vous le dites. Tu téléphones. Je veux bien vous entendre, mais ça me laisse inquiète et dans l'expectative de ce qu'il a pu faire. Bon, madame, on va pas vous déranger plus longtemps. Très bien, écoutez, je... Tenez-moi au courant, j'essaierai de si j'ai des informations à vous donner, mais c'est bien que vous enquêtiez sur Jason. Et allez voir cette fille, je suis sûr qu'elle cache quelque chose. C'est quand même elle qui traînait le plus avec mon Jason. D'accord. Ok. Bah écoutez, merci pour vos renseignements, madame. Je vous en prie, j'espère que vous trouverez un peu le fin fond de l'histoire. On espère autant que vous. On espère. Soit. Ne serait-ce que parce qu'on a perdu beaucoup d'argent. Oh. Ah là oui, il va nous falloir des résultats. Hein. Du coup, vous sortez de la maison, elle vous raccompagne, elle vous fait un léger sourire. On semble quand même qu'elle est, on voyait qu'elle est en deuil, hein, qu'elle est triste, elle est prise par l'angoisse. Ça va continuer en plus du coup. Et, ça va pas s'arranger. Et en marchant, en vous dirigeant vers le van, il y a ton téléphone qui sonne à toi, Charlie. C'est votre boss. Oh. Le boss de la chaîne. Oh merde. Je décroche. Allô, Willis? Ouais, c'est moi. Bon, je veux nos nouvelles, là. J'avais pas de news de vous, là. Vous en êtes où, là? Bah, écoute, ça va faire 2 jours qu'on est sur le terrain. On a fait le tour de la famille, déjà, retrouvé la petite copine. Il est allé voir un marabout. On a eu la vidéo du soir où il a bouffé les chiens. Ah, c'est pas mal, ça. C'est cool, ça. Ah ouais, non, il y a de quoi faire du sensationnel, mais franchement, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire. Ouais, bah après, ça arrive, hein. Des fois, on capte pas les trucs. Mais si vous avez déjà des bons interviews... Bon, écoute, tu peux m'envoyer quelques bandes, là, que je... Il y a des producteurs qui me saoulent un peu, donc... Vas-y, je te fais un montage ce soir. Okay. Je te les envoie demain matin. Bon, on fait comme ça. Super, Willis. Bon, bah, la bise aux filles. Pareil. Ciao. Du coup... Retourne. Alors, qu'est-ce que... Ouais. Bah, il pousse au cul, hein, il se veut qu'il fasse. Ouais.
Vous croyez qu'il faut qu'on retourne voir Leslie? Mais le problème, c'est qu'elle doit être chez sa sœur, comme elle l'a dit. Chez son amie, je sais plus. Mais elle est plus chez elle, On peut peut-être essayer de jeter un coup d'œil dans la grange, avant de partir discrètement. Je sais pas si c'est faisable, mais... Ouais, pourquoi pas. Tu vois que ouais, quand même, la petite vieille est toujours à la fenêtre. Hein. Elle est limite, elle vous accompagne du regard. Elle est très présente. Elle guette l'arrivée de son mari. Elle est complètement angoissée. Elle regarde sa montre. Elle fait les 100 pas. Elle sort horrible. Devant la maison. Elle se prend la tête. Elle se gratte les cheveux. Enfin, elle est complètement... avec déjà son stress qu'elle avait, là, elle est en mode... Putain. C'est ta faute. Ouais, c'est de ta faute. C'est bon. Ta faute. Oh mon dieu. L'horreur. Bah super, merci. Non, je rigole. Bonnie and Clyde, hein, c'est ça. Bonnie, elle fait que ça. Que faites-vous, du coup? Ouais, bah si on peut rien faire discrètement... Ah là, elle est vraiment devant, elle guette l'entrée, l'arrivée, quoi. Elle sait qu'il va arriver dans pas longtemps, enfin, pour elle, et du coup, elle a besoin de le voir arriver le plus vite possible. Putain, est-ce qu'on tente de retourner chez Leslie, voir si on a loupé un truc Je me dis, au pire, la porte, elle est fracturée, on peut essayer de rentrer quand elle est pas là. Hein. Ouais, ça se trouve, elle nous a eu en beauté, cette petite salope. Pardon. Ça c'était franc, hein. Ça venait du cœur. Ah oui, oui, oui. C'est comme quand la petite vieille dit c'est la grosse commission. On est dans le même. Du coup, bah, vous prenez le van, j'imagine. Ah bah oui. Ouais. Vous n'y allez pas à pied. Vous êtes obligé de retraverser encore cette ville de Silent Peak que vous commencez vraiment à connaître par cœur. Hein. Il doit être force. Du coup, une heure, vous avez un peu faim, mais bon, ça va, rien de grave, vous avez bien déjeuné. Du coup, on va mettre ça. Vérifier, c'est bon. En passant dans la rue du Star Club Café, hein, vous remarquez un attroupement devant la devanture. Oh. Non, je vais le transférer. Vu, on s'arrête. Ouais, on s'arrête. On va voir ce qui se passe. Ouais, vous remarquez cet attroupement et ouais, il y a quelques personnes qui ont l'air paniquées. Ils se tiennent la tête à deux mains et il y en a certains qui poussent des cris de détresse. Il y en a même qui s'enfuient en courant, hein, de l'autre côté de la rue. Est-ce qu'on peut en interpeller un et pour lui demander ce qui se passe pourquoi il est dans cet état? Pour l'instant, vous êtes en van, vous vous garez, vous voyez qu'il y a la... Ok. Il y a cette manager qui est aussi devant, en train d'essayer de calmer tout le monde. Hey, Samantha. Cette Samantha Washington, ouais. Moi, je vais la voir. Ouais. Samantha? Madame Wellington. Quand Bonnie a décidé d'être agréable. Ah mais c'est vous, c'est un véritable drame. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a cette mademoiselle Vines là, Leslie, elle est rentrée comme une furie et a tranché la gorge à deux personnes. Et il y a encore du personnel dans l'établissement. Elle n'arrêtait pas de nous dire qu'il lui fallait notre sang en vitesse. Elle est complètement folle, elle est dingue. Calmez-vous, elle monsieur, est à l'intérieur, calmez-vous. Là restez tranquille. Oui, je crois qu'elle est dans la cuisine. Je regarde Bonnie. Je regarde Meredith. Et si on allait dans la cuisine? Ouais, et ben, je pense que c'est là qu'on aura les meilleures images, hein, mais... Vous voulez vraiment aller là-dedans? Ouais. Moi je rentre. Faut prendre le taureau par les cornes. Soyez prudente en tout cas, elle est complètement dangereuse. J'ai du personnel là-dedans et... Tu vois, elle est paniquée, elle trouve même pas les mots à parler. Essayez de la raisonner, vous l'avez vu, non, tout à l'heure? Oui, on va essayer de parler. Très bien. Donc, du coup, vous rentrez, la caméra au point. Vous rentrez dans cette salle qui était bondée et cette fois-ci il n'y a personne dans la salle. C'est vide.
mais vous entendez des cris dans la cuisine. Dépêche-toi, Poufias! Putain! Mais... Vas-y, fous-toi, assis-toi! Assis-toi sur tes mains, ta graisse! Putain, et toi, arrête de bouger ou je te saigne comme une truie! Ferme ta gueule! Ferme-la! Que faites-vous? Est-ce que Meredith ressent un peu des trucs chelous comme dans la maison des parents ou rien à voir? Différemment, mais oui, il y a peut-être quelque chose, mais c'est différent. D'accord. Je chuchote. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de... lui sauter dessus? Il y a des otages. Peut-être est-ce qu'on est vraiment bien placé pour gérer la situation? Peut-être que moi je... Pendant que, je sais pas, toi tu peux essayer de rentrer, tu vois, essayer de... Enfin, je sais pas si tu peux faire le tour ou pas. Est-ce qu'on peut la contourner l'endroit où elle est ou pas? Vous avez pas trop vu, mais vous savez qu'il y a une porte de sortie que vous aviez vue quand vous étiez allé dans le bureau derrière. Mais attention, vous êtes une équipe, vous n'êtes pas des flics. Hein. Vous êtes pas, êtes une équipe de vous faites un documentaire. On est documentaire. Il y a des flics dehors ou pas? Pour l'instant, non, il y a personne. On dirait que ça vient juste tout juste d'arriver. Hein. Vous avez vu les gens sortir, donc vous êtes dans la salle, entre vous, à vous regarder. Okay. Vous entendez ces cris, vous entendez des trucs tomber dans la cuisine, comme des gamelles ou des... Est-ce qu'il y a, tu sais, les espèces de passe-plats? Faut vous rapprocher, vous pouvez les voir, ouais. Vous les avez vus. Ouais, moi je vais essayer. En fait, je vais essayer de voir dans la cuisine sans être dans la cuisine pour filmer un peu ce qui se passe. Très bien, donc du coup, bah, tu la vois hein, clairement, elle est en train de pousser les gens, voilà, tu la vois de dos, hein, tu vois cette cuisine avec pas mal de sang étalé par terre. Hein. Okay. En fait, tu la vois, hein, elle se retourne vers vous, hein, et du coup, elle vous voit à travers le pass, et elle semble complètement possédée. Hein. Mais en fait, ce qui vous choque le plus, c'est cette sorte de fœtus momifié qu'elle serre contre sa poitrine dénudée qui dévoile ses seins asséchés par la succion, frustrée de cet instant. De plus, elle a badigeonné cette chose du sang récupéré sur ses victimes du jour qui sont allongées dans leurs tripes sur le sol de la cuisine. Tu remarques qu'entre les desserts métallisés, les tables en fer glacé, les néons bleutés et clignotants, elle a agressé ses collègues au couteau. Elle a aussi versé du sang et un liquide blanc comme du lait dans une sorte de boîte en bois qu'elle tient à la main et qui ressemble à un petit cercueil d'où des membres tentaculaires de la créature proviennent, comme des sortes de cordons ombilicales. Oh putain. Je retire ce que j'ai dit sur vous, Leslie. Vous êtes une très mauvaise personne. Alors, je vais vous montrer la créature. Oh mon dieu! Mais c'est quoi cette horreur? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, elle vous voit à travers. Hein, elle fait... Putain, mais encore vous! Mais cassez-vous! Qu'est-ce que vous voulez? Barrez-vous! Vampire de la presse de mes couilles! Cassez-vous d'ici! Et le collidion, il est à moi! Et jamais vous ne le prendrez! Collidion? Le collidion? Qu'est-ce que c'est que le collidion, Leslie? Du coup, est-ce que vous vous rapprochez ou vous restez vraiment entre le pass et elle? Non, on reste un peu derrière, si on peut communiquer. Reste loin. Vous voyez, elle bouge son couteau comme ça. Il a besoin d'une mère, et c'est moi qui m'en occupe maintenant. C'est moi qui le protège et qui le nourrit. C'est moi qui l'a choisi. Vous voyez qu'elle est toute maigre, hein, elle a toute la peau sur... Elle est complètement... Elle a les joues creusées, ses poches noires... Ouais, dis-moi. Qu'est-ce que c'est? Il se nourrit de vous? Et tu vois qu'il est en train de téter à son sein comme ça, et continue, elle crie comme ça... Il est en train de vous tuer, Leslie, il faut que vous vous en débarrassiez.
Non, c'est... Dites pas de conneries, c'était l'héritage prévu à Jason, c'est son héritage familial. Maintenant, quoi? Il est à moi, Jason, il est plus là. Leur tradition, c'est donné de génération en génération, à l'âge de 33 ans, ce cercueil avec ce fœtus. Ah, Jason m'a tout dit, il m'a tout expliqué. Jason? Oui, Jason. Quelle horreur. Tu vois, c'est Jason qui vous a donné ça? Ses parents lui ont donné... Ils lui ont donné l'héritage pour ses 33 ans, comme prévu. Et vu qu'ils ne s'entendaient pas vraiment avec eux, c'était eux les précédents dépositaires du Collidium. Et en fait, les choses n'ont pas tourné comme prévu. Jason ne voulait pas nourrir le Collidium. Il a donc subi sa colère. Son cordon ombilical a aspiré son sang jusqu'à la mort. C'est le Collidium qui l'a maintenu en vie quelques jours. Mais il était déjà mort. Et quand elle dit ça, vous voyez la créature qui se retourne doucement comme ça. Elle s'arrête de téter et elle se retourne vers vous tout en vous souriant mystérieusement. C'est absolument répugnant. Oh, shit. Vous avez une grosse envie de gerber. Hein. Il y a ces tentacules qui remuent un peu dans la cuisine. Et en fait, ça fait comme des fouets. Ça vous balance des giclées de sang mélangées au lait à la gueule, à travers. Quoi. Vous prenez tous ces giclées. Là. Vous voyez, même la caméra, ça fait toutes ces taches comme ça qui passent direct sur l'écran. Et... Laissez-moi partir et je pourrais vous dire un scoop pour votre reportage de merde, avec tout un tas de preuves en plus. Mais laissez-moi me barrer, j'ai eu ce que je voulais. Mais vous comptez faire quoi avec ce truc? Ça vous regarde pas. Si vous comptez en faire. Ça vous regarde pas. Vous voyez qu'elle est en train d'écrire quelque chose sur une carte qu'elle plie et elle prend le fœtus en fait, elle le remet dans le petit cercueil et... Laissez-moi partir. Je vais brûler ce truc. Que faites-vous? Vous entendez les sirènes de police qui arrivent derrière. Enfin, moi, je suis désolé, mais j'essaie pas du tout de l'empêcher de partir, mais plus pas parce que je veux l'info, mais c'est juste elle me fout trop les jetons. C'est quoi ce truc, quoi? Ouais, j'avoue. Ouais, puis on est pas des flics, on a rien sur nous. Oh, moi j'y vais pas. Hein, je lève les mains. Du coup, tu vois, t'es en train de t'essuyer, tu vois, vous avez le sang, vous êtes en train de... Vous avez le sang dans l'œil, vous ne voyez pas très bien. Et vous la voyez reculer avec son couteau, toute tremblotante. Elle est très diminuée. Et puis, elle recule au fur et à mesure. Et puis, elle prend le papier qu'elle a dans la main. Elle pose un peu sur un meuble. Et puis, elle ferme la porte. Et puis, elle s'en va en courant. Putain, c'est quoi ce bordel? Ok. Je fonce récupérer le papier. Tu vois, tu enjambes les morts, tu vois que le sol est glissant, hein, tu manques de te casser la gueule, mais bon, tu arrives jusqu'au papier. Un indice. Et tu vois qu'il y a marqué dessus la cave des Callahan. Oh putain, j'y étais quoi. Oh, et dire qu'on a hésité à y aller en plus. Oh putain. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou... Ah, franchement, on a assez d'images là. C'est vrai, mais vu son état, je me dis, c'est plus qu'une question de temps avant qu'elle soit incapable de faire quoi que ce soit. On peut peut-être juste la suivre de loin et voir comment ça se passe. Okay, pour l'instant, d'accord. Si on voit que c'est risqué, on se casse, comme tu dis, on a suffisamment d'images. Ça me va. Ouais, putain. On retourne Van alors. Du coup, vous bah vous sortez, il y a la police un peu qui arrive en même temps que vous, qui vous prennent voilà pour vous mettre en sécurité. Ça va, vous avez rien de cassé, tout va bien. Ça va, on est juste un peu secoué, mais mettez-vous à l'abri. Mais elle est toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sortent les guns comme ça, ils commencent à rentrer, ils vous mettent un peu dans un coin avec des couvertures chauffantes, un peu. On vous donne du café. Du coup, il y a la manager Washington. Avec beaucoup de sucre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où, Leslie? Moi, je dis rien pour le coup. Je dis rien. J'essaie de me barrer.
Enfin, je pense que c'est ça l'idée, quoi, c'est qu'on se barre le plus discrètement possible. Ouais, vous l'endormissez un peu. Vous arrivez à l'endormir, ouais. Et du coup, bah, vous remontez dans le van. Encore une fois. Vous retraversez la ville. Encore. Encore une fois. Ah putain. Ça coûte de l'essence. Vous retournez à la ferme. Je dirais qu'il n'y a plus personne à la ferme. On va peut-être, ouais, j'allais dire, on va peut-être attendre la nuit ou une connerie comme ça. Ah ouais, super idée. De ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a personne. Après, vous pouvez attendre la nuit, mais il n'y a plus la petite vieille. Qui okay. Est, il y a même le portail qui est ouvert, comme si quelqu'un était parti précipitamment. Quoi. Allez, allez, on y va. Est-ce qu'on peut prendre des objets avec nous, genre des lampes torches Oui, vous avez tout l'équipement nécessaire dans votre camionnette pour. De toute façon, ma caméra, elle doit faire infrarouge et tout, non? Mais ta caméra, c'est juste toi qui l'as. C'est toi qui l'as. Ouais, mais ça, t'as l'écran, on voit rien. Ça suffit amplement. Donc du coup, vous passez la porte. La porte est ouverte. Tout est ouvert. On dirait que quelqu'un vraiment est parti en toute hâte. Hein, et vous pénétrez dans cette cave. Tu sens le moisi. C'est une cave sinistre. Et au fur et à mesure que vous descendez, il y a une autre odeur qui arrive. Mais une odeur qui vous est particulièrement familière. C'est ce bruit. C'est un peu ça. Vous découvrez... Ouais, c'est comme une... Sur un hôtel. Ouais, je vais vous dire un peu ce que vous découvrez. En fait, il y a cette puissante et désagréable odeur d'œuf pourri hein, et de soufre qui vous prend à la gorge et vos yeux se mettent à larmoyer en réponse à l'irritation causée par cette putain d'odeur nauséabonde. Et au centre de la pièce se trouve une sorte de trône en bloc de granit creusé de rigoles. Il mesure environ... Ouais, on va dire 2 mètres de haut, peut-être un peu plus, et on dirait qu'il y a comme un creux au niveau du milieu de ce trône, hein, une espèce de lieu qui pourrait vraiment loger le cercueil qu'avait Leslie. Ça vous rappelle ça? Et en avançant dans la pièce, vous découvrez que les murs sont gravés de scènes représentant l'histoire millénaire du bébé Harlequin et racontent dans le détail chacune des visions que certains d'entre vous ont eues, transmises par les moisissures de l'entité qui est ce Collidion, quoi, en fait. Et il y en a partout. En fait, toutes ces moisissures, vous les voyez, il y en a sur le sol, sur le plafond, il y en a. Vous êtes obligé vraiment de vous mettre la main sur le visage, mettre même vos fringues. Il y a une odeur, c'est pestilentiel limite. Et en vous rapprochant du trône, vous voyez qu'il y a certaines écritures qui expliquent un peu ce qu'est le bébé Collidion, plus ou moins. Donc vous voyez mutation génétique impliquant plusieurs gènes. Hein, il est aussi nommé Ichthyose Harlequin, comme vous l'aviez découvert. Sa peau est croûteuse, dure, brunâtre, fissurée. Ça gêne les mouvements et la succion de ce petit être. Et cette maladie menace immédiatement la vie de l'enfant en raison de troubles respiratoires infectieux ou alimentaires. La peau forme de sortes d'écailles rouges. Il y a également un livre parcheminé sur le trône. Ses pages sont parcourues de phrases illisibles et effacées par le temps. Hein. Vous pouvez presque sentir la poussière et la vieillesse du livre sous vos doigts lorsque vous le prenez en main. L'odeur de vieille encre et de parchemin est presque palpable. Il y a d'autres trucs écrits, vous faites vraiment le. Vous voyez que il parle que ce fœtus était le fils d'une prostituée babylonienne, qui était c'était le premier bébé harlequin de l'humanité, et que les
les Callahan étaient plus ou moins les dépositaires et les protecteurs de la sépulture ésotérique, en fait. Et en échange d'offrandes de rituels régulières, sans ailé. Cette relique fait office de porte-bonheur et confère la jeunesse éternelle à son propriétaire et protecteur. Et à l'inverse, il est noté que s'il n'est pas nourri, il apporte malheur à son porteur, en le tuant tout en le maintenant conscient. Et c'est ce qui est arrivé à Jason, plus ou moins. Du coup, avec ce bouquin, il y a tout un tas de photos dedans. Elles datent du siècle dernier, où chaque homme de la famille Callahan y figure, avec ce cercueil en main, lors de leur 33e anniversaire. Vous découvrez sur la dernière photo, prise récemment, Jason, au regard mort. Je peux vous laisser un petit mot entre vous, avant de conclure. Vous pouvez parler entre vous, si vous voulez. Mais t'as dit que ça donnait l'immortalité si on le nourrissait. Enfin, c'était un porte-bonheur. Là, je vous laisse vraiment discuter entre vous. Après, je vous ferai un briefing sur le. Okay. Si vous voulez dire un dernier mot à la caméra, c'est maintenant. Par rapport à cette découverte, wow. Je vous laisse réagir. Vous n'êtes pas obligé, il n'y a rien d'obligatoire. C'est à vous de voir. Il y a eu beaucoup d'informations, je sais, sur la fin. C'est tout tombé mais je ferai un débrief après. Là, c'est vraiment pour couper. Il y a la caméra, mais à la limite, si vous avez rien à dire, la caméra continue et d'un coup, l'écran devient tout noir, avec quelques bandes blanches par intermittence. C'est la fin de cet enregistrement. Le stagiaire appuie sur la touche éject. Le DVD sort. Le jeune homme semble bouleversé par ce qu'il vient de voir. Il semble très mal à l'aise en regardant le DVD. Des gouttes de sueur perlent sur son front, ce qui renforce le ressenti d'une montée d'angoisse et de tension vécue récemment. Il hésite longuement, sa main tremblante, due à ces images troublantes qui montrent des événements inexplicables. Il ramène le DVD devant ses yeux. Putain, mais c'est hallucinant ce truc! Mais c'est pas possible en vrai! C'est trop gros! Mais c'est pour ça qu'ils l'ont laissé aux archives, c'est con! Bah, les gars, ils ont putain de trop abusé! C'est pourtant bien fait, hein, en vrai! Mais... Ah, j'ai franchement failli y croire! Hein. Putain, mais le canular, il est trop gros! Ah, ils n'ont pas dû pouvoir convaincre leur boss de son authenticité! Bon, c'est trop difficile à accepter, à comprendre leur truc là. Si je ramène ça, je vais passer pour un gros con. Puis il saisit le DVD à deux mains, il le casse en deux et le jette à la poubelle, éteint la salle de visionnage et se barre en toute hâte. Et c'est la fin de Channel Fear. Southern Gothic. Waouh. Voilà. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour que l'autre nous dise qu'on est recalé par un stagiaire, les gars. Ouais, j'avoue. On est recalé par un stagiaire. C'était trop gros, ça ne passe pas. En même temps, l'histoire est au cambolesque, quoi. Ouais, grave. Ah, mais non, je pensais qu'elle voulait. Je pensais qu'elle allait rejoindre la cave, mais non, elle a juste se récupérer tout. D'accord, ok. Donc Leslie se gambade dans la nature. Ah, Leslie s'est barrée. Leslie s'est barrée, voilà, elle se barrait avec le truc. Le collidion, hein, le bébé arlequin, le premier bébé arlequin de l'humanité, en fait. Qui était maintenu en vie, comme ça, le fait de l'alimenter. C'est quand même une histoire qui est... C'est mais tant qu'elle nous le refile pas, son bébé, elle peut le garder. Oui, voilà. Ouais, qu'elle reste loin. Ouais, c'est ça. Après, elle a le désir vraiment de le nourrir, en fait. C'est sa mission principale, c'est de le nourrir et
de tuer pour lui, de trouver du sang et du lait pour nourrir cette créature qui fait... C'est, en fait, c'est pour ça que John Kalanal, c'est pour ça qu'il a été jeune, parce qu'il a nourri, et en fait, ses traits n'ont pas vieilli. Et c'est pour ça qu'il y avait cette différence un peu d'âge, du fait que c'est lui qui s'en occupait, c'est toujours les hommes qui s'occupent du bébé Collidion. Et c'est pour ça qu'il y avait cette différence d'âge qui était assez flagrante et qui posait... Voilà, c'est normal si vous posez des questions. C'est pas un jeu... Donc au final, on a tué quelqu'un qui avait tué des gens. Ouais. Donc, j'ai envie de dire... Ça va. Oui. On parle à la conscience beaucoup plus tranquille, c'est vrai. Voilà, exactement, on parle à la conscience tranquille. Ah bah, vous savez pas s'il a tué des gens en vrai. C'est pas écrit. Il faut nourrir le bébé avec du sang, donc c'était peut-être son sang, il avait des vaches. Dans l'histoire, lui, il les nourrissait avec ses vaches, en fait, le bébé. Ouais, il avait une ferme. C'était vraiment pour avoir la conscience tranquille, on préfère croire qu'il a tué des gens. Ouais, mais bon, moi je veux que vous ne l'ayez pas et je vous dis la vérité. Non, je refuse. Parce qu'en fait, il y a plusieurs situations au scénario. Ça peut être le gars qui récupère le Collidion, s'il meurt pas. Et du coup, ça change un peu vraiment la tournure. Ça va dépendre de vos actes. Il y a plusieurs choix. D'accord. Mais je trouve que celui-là est quand même sympa, le fait que la femme, voilà. Et le petit truc un peu pour vous dégoûter, c'est que ce jet de Meredith, de médium que tu as fait chez Jason, ouais. Si tu l'avais fait chez Leslie, tu aurais très bien ressenti qu'il était là, quoi. En fait, il était dans le placard avec elle. Ok. Oh, truc. Ouais, il était dans le placard avec elle. Ça, vous pouvez pas savoir. C'est trop dommage. Et elle savait qui c'était, du coup, le mec qui est rentré. Non, elle savait pas. Non, elle savait pas. Elle savait pas. Elle avait jamais vu ses parents, non. Non, elle a jamais vu ses parents. Elle savait pas. Lui savait qui c'était cette femme, il savait qu'elle avait le bébé Collidion, et c'est pour ça qu'il voulait le récupérer, quoi. Parce que c'est son l'héritage de sa famille. Et du coup, c'est pour ça qu'il le cherchait, et il n'a pas pu le trouver, quoi. Mais elle... Il y a des gens qui se donnent des bagues en héritage, ils donnent des fœtus. Ouais. Oh. Ah, mais c'est vrai que des fœtus millénaires. Je sais pas où il est allé chercher cette histoire là, le Anthony Nocombrexel là, mais faut y aller, quoi. Faut y aller. C'est pas évident en plus à mettre en place comme sorte de scénario, parce que c'est vrai que vous recherchez beaucoup, vous allez à droite, à gauche, vous choisissez un peu suivant où vous voulez aller. Bon, ben vous allez pas aller. C'est vous qui faites l'enquête, donc on est dans un mini bac à sable, même si c'est quand même. Vous choisissez un peu suivant, et vous n'allez pas avoir les mêmes indices si vous allez à droite, à gauche. Donc c'est... Mais vous avez fait toutes les pistes. Toutes les pistes ont été faites. Donc je vous avais dit, regardez, il est minuit et demi, donc on a réussi à tout faire, en une soirée. Donc c'est parfait, quoi. On sort bien, avec une petite pause. La dernière fois. Oui, 4 heures. Hein. Ouais, 2 heures, ça me paraît chaud. Hein. Ouais, 2 heures, c'est super. Ouais. Non, c'est... Sauf s'il y a les petites scènes de RP avec et tout. Ouais. Ah, c'est pour ça que j'ai essayé de faire les ellipses. La première partie, il y avait beaucoup de RP. Après, les joueurs aiment bien, je sais bien, moi aussi, mais je pense que c'est quand même un scénario d'enquête, donc il faut. Il faut que ça aille, quoi, qu'il y ait du rythme. C'est un bon jeu. Mais moi, franchement, j'ai pas. Grave. Moi, j'ai bien kiffé. Je pense qu'en termes de classement, pour l'instant, je préfère le Channel Fear au Descent, genre dans le fonctionnement et tout. D'accord. J'aime bien tout ce qui est enquête. Ouais. Complètement différent. On n'a pas beaucoup de GD, vous avez vu, il n'y a pas eu. Il y en a peu. On ne joue pas sur ça, on joue vraiment sur la tension, sur l'enquête. Et je trouve ça intéressant. Il y en a eu, il y a des situations où voilà. Mais je pense même, en plus, ce premier scénario est vraiment initiatique, on va dire, qui vraiment montre un peu. Je pense que les prochains sont complètement différents. J'ai lu le prochain qui est. On part sur un autre niveau, sur un autre style en plus, mais qui est super intéressant. Et puis voilà. Moi, j'avoue, j'ai bien kiffé, hein. Honnêtement. Ah ouais, j'ai adoré.
Je pense qu'il y a toute cette espèce d'équilibre d'enquête qui est. Enfin, moi, là, il y a eu une espèce de deux parties, en fait, sur notre partie. Ouais. Et toute la première partie où on a fait des grosses recherches et tout, je trouve qu'en plus, on avait une bonne synergie. C'est Donc, vrai. du coup, c'était vraiment cool. Ouais. J'ai vraiment bien aimé. Ouais. Non, non, mais c'était cool. C'est mieux à 3 en plus. Ça vous permet d'avoir plus de. Voilà. C'est plus convivial. Je trouve que Ouais, c'est mieux ouais. et je pense que peut-être je le ferai à 3 maintenant. Ce style de jeu, ça permet vraiment de. Alors pour les rêves, c'était vraiment par rapport aux personnes qui touchaient les objets avec ce truc vert hein, qui était empoisonné et Ah qui ouais. faisait les visions. Du coup, toi, vu que tu avais filmé un peu, tu t'es pas attardé, t'as pas eu ces visions-là. Donc toutes ces visions, hein, si vous les reprenez une par une, hein, c'est clairement vous êtes le Collidion en fait dans les visions. Oui, Vous êtes ouais, bah ce truc hein, au début bah, vous sortez du ventre de la mer hein, comme il te dit Bonnie tu vois les mains ouais. qui t'enlèvent tu vois le visage de la mer ensuite il y a la meute de chiens bah, on est là pour parler de ce qui s'est passé plus ou moins dans le chenil hein, c'est clairement ça il y a plusieurs Ensuite, il y a c'est les, avec le prêtre, bon, c'est un peu le rituel qu'ils ont de se donner ce collision à chaque être qui fait 33 ans. Donc c'est un peu ça que ça exprime. C'est toujours assez flou, mais c'est difficile pour vous, rien qu'avec ces visions, de pouvoir vraiment voir ce que c'est. C'est pas le but que vous trouviez, c'est impossible même. Mais il y a des indices. Mais au quatrième, il vous dit Bébé Arlequin, il vous dit le Collidion. Mais vous ne pouvez pas trouver par vous-même. C'est impossible en fait. C'est impossible. Ouais, faut avoir une imagination débordante pour trouver. Non, non, tu peux pas. C'est pour ça que la chute, tout se fait à la fin. Il y a tout qui tombe, plein, plein, il y a tout qui s'entasse, il y a des indices. Ouais, mais imagine, tu parles du Collidion à la mère de Jason finalement. Tu peux voir quelque chose, non? Peut-être, je sais pas. Elle vous a menti sur plein de Direction. trucs, la mère. Elle Ouais. vous a menti parce qu'elle est Ouais, au courant. ça Ah non, elle vous a menti. Elle sait même. Elle vous a Oui, bah menti. sur la maladie, des trucs comme ça. Elle savait, la maladie, elle savait ce que c'était. Quand vous lui dites ça. Mais cela, c'était Ah, peut-être à quelle vous de dire saleté! est-ce que je peux tenter voir si elle me ment si elle... C'était à vous de faire cette Ouais, mais tu sais, démarche. Parce que si moi je tu le parles fais d'une de nana suite. en deuil. Tu parles d'une femme en deuil et tout, t'es trop en mode C'est le non, je scénario vais qui pas la est. Ouais, c'est pour ça. soupçonner. Mais c'est pour ça, le scénario il est comme ça, et Mais justement il vous. oui! Moi, il y avait Ouais. mon truc professionnel là que j'ai toujours pas. Du coup, j'ai Ouais. pas eu le temps de l'utiliser parce que j'osais pas à chaque fois. Les personnages, ils avaient l'air tout le temps bienveillants. C'est pas. Je Ouais, me fais mais c'est fouiller ça. sur ça. Et ouais, même Leslie qui vous arrive dans son appart, elle est complètement paniquée, elle est là, elle saute sur Ouais. Bonnie, mais en fait, elle cache son jeu à fond, quoi. Elle cache son jeu à fond. Ouais, on s'est carrément fait avoir comme des grosses bleues là. Ben ouais, mais c'est ça qui est Ouais. intéressant à ce jeu-là parce On qu'il est trop ouais, y gentils. a trop de fausses Ouais, pistes. Hein. C'est rempli de fausses pistes. Le chien qui mord la main, de suite vous dites, ah oh, putain, c'est ça vient de là, mais en fait, pas du tout. Ça C'est vient une de fausse là, ouais. piste. Il n'y a Ah, que mais des fausses grave, pistes qui. moi j'étais partie sur cette histoire de Yinche. Bah oui, Hein. c'est De chien normal. Ouais, moi aussi. Hyper longtemps sur le J'étais chien. tellement en mode. Ah, ouais, grave, grave. Je pense que c'est ça qui nous en. Ouais. Par contre, gros big up Jaker sur les voix, quoi. Ah bah cool. Ouais. Ouais. Eh, mais de C'est fou! vrai que ça doit être galère. Travaille en Afrique. J'ai mis une photo là, il me fait rire avec un Africain avec un disque dans la bouche. Ça m'a trop fait ça. Bah ouais, bon après je l'avais fait une fois déjà. L'accent indien, j'aime bien le faire. Ça m'est déjà arrivé. J'aime bien faire le. Bon, après, c'est en s'exerçant, j'essaye de. Ouais. Mais c'est cool, merci. Ouais. Merci, merci. Ouais, j'espère que ça vous a Ouais, plu bon, je pour suis cette belle désolée, moi je découverte. vous ai... je vous abandonne. Ok. Ma vieillesse m'impose d'aller dormir. Ça marche. Merci beaucoup pour la partie, c'était vraiment cool. Ça Et marche. vivement la Je prochaine. vais y aller. Qu'il est tard. Yes. Salut, 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 Cacou. salut. Bonne nuit à Ciao. toi. Ciao. Bye. Bonne soirée. Salut.